Bon bah aujourd'hui on va vous parler de pas mal de sujets, on va parler d'actualité encore une fois, on va essayer de couvrir des plus grands horizons comme d'habitude, à chaque fois on essaye de faire de notre mieux. Déjà on va parler un petit peu de notre actualité à nous, du coup Axel toi tu t'es relancé sur une aventure World of Warcraft. Alors je sais, on part vraiment sur les chapeaux de roue comme on dit. Est-ce qu'on peut raconter le début du projet? Allez vas-y. Je te laisse faire parce qu'au final c'est toi qui a peut-être lancé cette aventure. D'accord, bon j'avoue qu'on a décidé de repartir sur une aventure World of Warcraft, on s'en fout. C'est juste très rapidement, voilà. On en parle parce qu'on a envie d'en parler, c'est un jeu excellent. C'est un jeu excellent, balsamique, hein, balsamique ici présent, qui a quelques heures de jeu, hein, qui connaît. Seulement 500. Et toi Ambre, du coup, nouvelle série, nouvel film, nouvel animé, est-ce que t'as regardé des trucs dernièrement? Non. World of Warcraft du coup. Non, mais j'ai pas regardé de nouvelles séries de films d'animés, mais hier tu m'as fait découvrir une nouvelle chaîne YouTube. Ouais, carrément. Et Colas Beam. Ouais, on le place si jamais tu nous regardes encore une fois à chaque fois avec les gens de personne regarde. Si d'ailleurs gros big up au Canada parce que au Canada on nous regarde maintenant. Gros big up au States. Ouais, on regarde au Canada. Ah, il y a la Réunion aussi. Et la Réunion aussi. En fait, on est international. Mais wow. Clairement, il faut qu'on parle toutes les langues. C'est comme 1% en fait, vraiment. Colas Beam, un plaisir, mais tellement. Je suis de l'Amérique, des États-Unis. Bah voilà, les gars. Big up aux USA. Tout le monde nous regarde. On a aussi des petits problèmes techniques. On a un petit problème. La caméra est sur moi, donc. Deux, trois problèmes de lampe. La caméra principale ne fonctionne plus. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement la rallumer. Et sinon, on peut aller derrière toi. C'est pas grave, on va continuer tranquillement. Le décor aussi va changer. Le décor va changer aussi d'ici peu. On va essayer de... Oui, on t'a reconnu, Alex, bien entendu. Big up à toi, Louis. Le décor a changé. On va changer plus tard. Excusez-moi, du coup, il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Il y a des problèmes caméra, il y a des problèmes plateau, c'est du live. Le décor va changer au fur et à mesure. En fait, on s'est tout simplement dit que c'était bien le spot, ça a évolué petit à petit. Et peut-être qu'il fallait qu'on change de décor parce que celui-là, au niveau technique, tout simplement, même au niveau visuel, nous correspond plus forcément. Ouais, puis il y a aussi le côté où je suis peut-être un peu trop haut. Voilà, on retrouve la cam, c'est bon. Là, voilà, il y a le côté aussi où je suis un peu trop haut, du coup, forcément, ça crée des trucs un peu bizarres. On va essayer d'aplatir un peu tout ça, que tout le monde soit au même niveau. Bon, ouais, même si, bon, voilà, je suis meilleur que vous, c'est pas grave. On n'est pas là pour juger. Il fallait placer cette petite phrase. Il fallait placer la petite phrase. Voilà, le dire, vraiment. Tu vois. On va tout de suite commencer par la récré. Simplement, on va enchaîner avec la récré. Ça marche. Bah, je crois que c'est l'heure de la récré. Alors aujourd'hui du coup, donc pour les petites actus de la récré, je vais vous parler d'un sujet, je vais vous parler de deux sujets qui vont toucher les réseaux sociaux. Encore une fois, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Tinder et Instagram. Oh. Okay. Alors toi Tinder, Axel, du coup tu cliques pas? Du tout. J'ai jamais été sur une appli de rencontre, donc c'est peut-être hyper intéressant, mais moi ça m'intéresse pas d'un point de vue personnel. Et toi du coup Ambre, tu connais Tinder un petit peu? Ouais, je connais Tinder. C'est vrai. Tu utilises un peu Tinder quoi? Ouais, j'ai déjà eu. Ça match? Ça match. Ça match, ouais. C'est nul. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que donc là il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur Tinder, des fonctionnalités qui sont plutôt pas mal, qui sont pour protéger tout simplement les personnes qui utilisent Tinder, donc notamment les femmes vis-à-vis des hommes. En règle générale, c'est quand même plus orienté sur cette fonctionnalité là. Alors notamment ils vont ajouter un truc qui s'appelle le panic button. Qu'est-ce que c'est que le panic button? C'est que quand en fait tout simplement on part en rendez-vous, on remplit une fiche d'information donc sur le lieu, les personnes qui sont présentes et ce que les personnes sont censées faire. Okay. Et dans l'idéal en fait c'est que si jamais il y a un problème pendant ce truc-là, en fait t'appuies sur panic button, ça envoie directement un message à la police locale et du coup tu te retrouves tout simplement entouré, je veux dire t'es pris en charge etc. avec juste un bouton qui est sur Tinder qui du coup envoie l'information, le Tinder de la personne en face de toi qui serait du coup potentiellement la personne qui, enfin voilà. Ouais. Du coup il y a tout ce système là qui serait mis en place. Okay. Et du coup c'est pas mal je trouve. Ça a été annoncé quand? Alors ça a été annoncé plus ou moins
En début d'année, janvier, okay. Courant janvier. Et là, ça va être très bientôt. Quoi. Et pour l'instant, on ne sait pas encore. Ils ont relancé rapidement un petit peu cette semaine. Ils ont un peu relancé les actus. Mais voilà, je voulais en parler parce que je trouvais ça vraiment chouette de le fait que Tinder en fait se pose la problématique de dire bon, ok, il y a quand même des gens qui passent des mauvais rendez-vous à cause de nous. On va peut-être éviter que les personnes ça se passe mal. Mais après, c'est vrai que par exemple, sur Tinder, quand tu prends un rendez-vous, on va dire, si on parle comme ça, avec quelqu'un, souvent sur Tinder, c'est plus tu matches et après tu parles pas forcément sur l'application. Donc en fait, il faut avoir ce réflexe de revenir sur l'application, du coup, si t'as vu la personne. Si t'es encore en match avec elle, parce que souvent beaucoup suppriment les matchs, tu vois, pour faire marcher ce truc lors du premier rendez-vous, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait aussi ce truc-là pour éviter. Bah, après, voilà, ça reste quand même idéal. Oui. Et même bah, justement, Super Easily et Lox, l'idée est bonne, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'abus ? Alors, à votre avis, du coup, là-dessus ? Le risque d'abus, je sais pas. Moi, je me pose la question, en fait, tout simplement, si l'onglet appel d'urgence dans le téléphone, ça remplace pas tout simplement ça, parce que c'est quoi, en fait ? Ça appelle la police et c'est toi qui dois leur parler ? Alors non, ça leur envoie un message et du coup, il y a une patrouille en gros, enfin une patrouille qui est dépêchée sur les lieux en gros, et du coup le but voilà, c'est de pouvoir justement se sécuriser en fait dans les rendez-vous quand il y a des gros problèmes. Donc ils sont en quelque sorte la police est en partenariat avec Peut-être que ça passe du coup par appel de secours, après je sais pas au niveau technique comment ça fonctionne, mais du coup j'imagine que voilà, tu dois avoir un truc qui renvoie et qui donne l'adresse etc. et du coup peut-être pour l'abus, j'avoue qu'il pourrait y avoir aussi ce problème là de à n'importe quel moment juste ton Tinder se passe mal, ou alors juste pas envie de voir sa gueule, appuies sur panic button. C'est vrai que je pense qu'il y a des moments où ça sera un petit peu de l'abus, où les gens ils vont appeler la police et appuyer sur ce bouton alors qu'au final il n'y a rien de grave, et du coup moi j'ai peur que après la police se dise c'est trop habituel, vrai. Et du coup qu'ils prennent plus ça au sérieux, alors que le jour où il y aura vraiment un cas sérieux, ce sera pas pris en charge. Même si c'est une super idée, moi je me pose la question du coup des données d'utilisation. En fait, des données personnelles, on en parlera dans la régie sans mail de tout à l'heure, mais je me pose la question, je tease un peu le truc. Hein. Ouais, c'est les cookies, tout ça, on connaît. Si au final, du coup, l'application renforcerait pas son utilisation des données personnelles de l'utilisateur avec la localisation, le numéro de téléphone, etc. En fait, je pense que justement, dans le souci de transparence, pour éviter justement qu'ils utilisent toutes ces données-là du téléphone, ils font remplir une fiche en fait d'information au date, en fait, en mode tu vas remplir ton lieu de rendez-vous. C'est prévu ça ? Ouais, c'est ça, c'est prévu. Okay. C'est sur le lieu de rendez-vous, tu mets le lieu, tu mets la personne qui sera présente, les personnes qui seront présentes, des numéros de téléphone, des trucs comme ça, etc. Et tout. Donc, du coup, Tinder utilise déjà la localisation, forcément, pour savoir qui est autour de toi. Oui, au final, oui, c'est les appuis. Après, il y a un côté quand même assez sûr là-dedans, dans le sens où c'est vrai que sur Tinder, c'est une appli de rencontre virtuelle, donc tu sais pas qui est en face de toi, et parfois par message ou en vrai, c'est pas du tout la même chose. Oui, ouais. Donc d'un côté, c'est une bonne chose. Et justement, je me permets de rebondir là-dessus, parce que justement, autre initiative et autre fonctionnalité qui vont intégrer à Tinder, putain, super, elle m'a lancé, c'était génial. Voilà. Donc l'application en fait souhaiterait mettre en place le casier judiciaire. Alors je m'explique très rapidement. Donc en fait il y a une association qui s'appelle Garbo, qui est une association spécialisée dans les plaintes conjugales et donc du coup le harcèlement, les abus sexuels, etc. et tout. Donc pour les femmes, elle est tenue par des femmes. Et en fait, ils centralisent toutes ces données-là. Donc du coup, imaginons Michel qui a abusé de sa femme, il va être recensé en fait sur cette plateforme-là. Okay. Et du coup, le but en fait, ce sera à Tinder de passer toutes ces informations-là par un numéro ou un nom et de pouvoir justement... C'est une sorte de fichier S. Ouais. Une sorte de fichier S en fait, tout simplement, mais sur Tinder. Okay. Et du coup, quand tu vas matcher avec le gars, ça sera marqué en gros... attention, cette personne a quand même un casier judiciaire pour harcèlement, etc. et tout. Donc faites gaffe quand vous vous engagez. Ah, d'accord, donc c'est le casier judiciaire de la police qui est directement relié au compte. Pas directement celui de la police, du coup c'est juste des informations, c'est que pas Tinder vraiment le casier récupère. Par le biais de l'association Garbo, qui est une plateforme spécialisée. Mais attends, je réfléchis. Vas-y. Et super. et donc du coup, alors à votre avis, qu'est-ce qui pourrait avoir de bien et de mal ? Alors déjà, il faut savoir que du coup, ils vont pas mettre dans ce casier judiciaire là tout ce qui est lié à la drogue ou alors au crime si du coup, mais tout ce qui est lié à la drogue ou tout ce qui est lié à ce genre d'affaires ne seront pas pris en compte. Okay. Ça va, tu peux être rassuré du coup. Tu peux être rassuré. moi toujours la question des données personnelles, de l'utilisation et
comment ça va marcher, en fait, c'est l'association qui va étudier la liste des personnes qui s'inscrivent sur Tinder. Ça, je sais pas encore comment ça va se passer, parce que du coup, c'est une nouvelle initiative qui a été proposée du coup en janvier. Parce que c'est des bonnes initiatives, mais comment ça marche clairement. Honnêtement, moi, je trouve que c'est même chouette justement de pouvoir proposer ça pour en fait protéger tout simplement les gens. Et il y a le côté aussi, en fait, où ils vont, Garbo, donc du coup, l'association va centraliser tout. Et déjà, de base, là, encore actuellement, ils centralisent absolument tout, donc c'est-à-dire que ça soit. Encore une fois Michel qui a fait un abus sexuel ou alors du harcèlement ou quoi que ce soit, déjà c'est centralisé justement dans cette association là et eux derrière ils sortent un nom ou un numéro de téléphone et du coup quand c'est lié au compte Tinder, bah du coup on aura cette interaction là parce que du coup Garbo et Tinder sont déjà en relation. Bah du coup je pense que voilà, le but c'est de faire un partenariat et de pouvoir justement discuter ensemble. À la fois, c'est pour la sécurité de chacun, mais je trouve que c'est archi intrusif. Bah, c'est vrai que c'est vachement intrusif, parce que c'est vrai que c'est la vie de tout le monde au final. Après, on parle quand même d'intrusion pour des personnes qui ont harcelé ou abusé sexuellement, donc je sais pas vraiment. Enfin, moi, je pense honnêtement que c'est une bonne initiative de la part de Tinder de prévenir. Il faut pas aller trop loin, comme d'habitude, il y a un juste milieu. Mais c'est un petit peu une mise en garde aussi, dans le sens où si tu prévois de voir une personne et que cette personne. Il y a une petite annotation sur lui, comme quoi c'est pas ouf. Au moins, t'es prévenu, tu vois. Ouais, clairement, mais au moins, t'as petit truc, un petit message qui dit oh, attention, celui-là, quand même, c'est pas fou. Mais, tu vois, genre, vas-y, pas en théorie. Mais du coup, oui, comme je sais plus qui le disait, ça renforce le débat sur l'intrusion, justement. Ça, ouais, exactement, ça renforce deux poids, deux mesures, quoi. Exactement, c'est vrai qu'il y a le côté où, du coup, c'est intrusif de fou. Et pour des personnes, si ça se trouve, qui ont un casier pour pas grand chose, du coup, ils se retrouvent fiché Tinder, on va appeler ça fiché T. Et du coup, c'est vrai que tu peux avoir les mêmes sanctions, entre guillemets, que quelqu'un qui fait vraiment de l'harcèlement ou des trucs continus. C'est pas encore sorti, c'est en projet. Ça évolue. Ouais, au final, si ça se trouve, là, je vous parle de ça comme ça, parce que c'est les infos que j'ai eues. Si ça se trouve, là, dans deux mois, c'est plus du tout pareil. Ils ont soit abandonné le projet, soit ils ont totalement fait encore pire, ou je sais pas, tu vois. Dans l'idée, l'idée, je sais pas du tout. Après, Tinder, quand même, ils étaient déjà un petit peu sur la mise en garde, on va dire, un peu avant, dans le sens où ils vérifient beaucoup les profils. Et alors, moi, ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas s'il y a une différence entre les hommes et les femmes, et ça, c'est une grosse polémique sur les. On en parlera. Non, mais c'est vrai, hein, surtout sur les applis de rencontre, genre les hommes, ils ont moins d'avantages que les femmes. Et du coup, je sais que des amis hommes qui ont Tinder doivent des fois prendre des photos d'eux-mêmes pour valider encore leur identité, etc. Parce qu'il y a beaucoup de comptes où il n'y a pas de photos. Il y a du fake ou quoi beaucoup que ce soit. Ouais, voilà, énormément. Donc déjà, il y avait quand même cette mise en garde, enfin un peu... Un match par mois, on est là. Je suis désolé pour ça. Aïe, aïe, aïe. Il faut se poser des questions. Combien de matchs par mois, toi, à peu près? Super. On va continuer, on va enchaîner, justement. Elle n'avait pas fini, il me semble, hein. T'avais pas fini ce que tu étais en train de dire, si? Si, c'est bon. Ok. On va continuer. Prochaine étape, le GIGN qui débarque pendant ton date, exactement. Hélicoptère tyrolienne, la totale. Donc, du coup, autre initiative de la part de Instagram cette fois-ci. Instagram, donc, qui veulent protéger cette fois-ci les mineurs. Alors, il faut savoir qu'Instagram, déjà, pour s'inscrire sur Instagram, il faut avoir 13 ans. On sait très bien que c'est pas le cas tout le temps. On va pas se mentir qu'il y a des filles qui sont, enfin des filles et des garçons qui sont en dessous de 13 ans et qui sont largement sur le site et qui sur la plateforme, il y a aucun souci. Un peu comme Facebook à notre époque. Hein. Voilà. Tu vas me mettre un coup de vieux. Je suis désolé. Quand MSN ça a été fini, on a changé nos âges pour s'inscrire sur Facebook. On a Adibou peut-être, mais. Du coup, Instagram qui décide de protéger donc les mineurs, donc de 13 ans à 18 ans, des prédateurs sexuels. Donc ça fait un peu lourd. Et donc en fait, le but, ça va être donc déjà, ils vont inciter toutes les personnes de 13 ans à 18 ans de passer leur compte en privé. Donc déjà pour pouvoir filtrer les personnes qui vont interagir avec les publications ou même juste s'abonner tout simplement et pouvoir envoyer des DM, etc. Enfin des messages, pardon, etc. Y a tout le public qui nous regarde, d'accord. Il faut que je parle. Il n'y a pas de souci, personne t'a jugé. Un peu. Continue. Et donc du coup, les jeunes utilisateurs donc seront alertés en fait tout simplement lorsqu'ils auront en fait un message d'une personne adulte. Donc qui, en fait, le but d'Instagram, ça va être de créer. Alors ça va être un peu poussé aussi de créer une sorte d'intelligence artificielle qui va essayer en fait d'analyser un peu tous les comptes d'hommes adultes pour voir s'ils s'abonnent beaucoup à des enfants, s'ils interagissent beaucoup avec des enfants, des mineurs. Et du coup, le but, voilà, ça va être de... Bah, imaginons que, encore une fois, Michel, il est partout. Mais Michel, si jamais... Il a tout, la totale, Michel. On va avoir un gros big up Michel dans le chat. Du coup, si Michel, il s'abonne à énormément d'enfants entre 13 ans et 18 ans, et qu'il envoie beaucoup de messages, en fait, tout simplement... Sacré Michel. il va tout simplement, en fait, être recensé par Instagram. Et du coup, à chaque fois qu'il enverra un message à un mineur, en fait, tout simplement,
simplement, bah, ça va afficher sur la page de DM du mineur. En fait, attention, cette personne-là est en contact avec énormément de mineurs, donc mm-hmm. attention à vous. Le but est de vous protéger. En gros, voilà, l'idée, c'est que du coup, il y aura aussi ça de la part d'Instagram. Tu voulais parler ? Ouais, alors, parce que ça vient de me faire penser... Non, je viens de penser à un truc. Oui. Pour revenir aussi sur cette nouvelle démarche sur Insta, mais aussi sur Tinder, parce que tu parlais Tinder juste avant. Ouais. Je sais très Tinder bien que... On a commencé à parler Tinder, elle fait « Alors moi, je connais les gars. Alors moi, les gars, ça y va, ça y va. » Oui, vas-y, pardon. Du coup, je sais que, par exemple, sur Tinder, donc, il faut être majeur, il faut avoir 18 ans. Ça fait beaucoup, quand même. Elle a confondu les heures et les années. Pour t'inscrire. Et je sais que si, admettons, dans la conversation, tu avoues que tu n'as pas 18 ans, que tu es mineur, Tinder voit ça. Enfin, ils ont un genre de détecteur. Un robot, ouais. Non, mais ils ont quelque chose qui font que... Un robot, ouais. Un robot, ouais. Ça s'appelle un robot, ouais. Vas-y, continue, pardon. Du coup... Alors, pas le pourrir de la dernière fois, hein. Par contre, là, ça c'est mort, ça je veux pas, ça je veux pas. Les gens vont quitter le live. Non, mais du coup, en gros, si tu avoues que t'es mineur et que la personne, bah du coup, le sait en face et qu'il continue à parler, Tinder bloque le compte de la personne qui est mineure et le compte de la personne qui continue de parler avec exactement. Et d'interagir. Okay. Et du coup, bah, ça rejoint un petit peu le nouveau principe de Instagram par rapport aux personnes... Justement, d'essayer de savoir en fait qui sont les personnes qui peuvent simplement être des prédateurs sexuels, encore une fois, on doit le... Pour revenir à Instagram, je suis toujours sceptique avec la mise en place des robots, etc. Parce que par exemple, sur YouTube, ils ont installé pas mal de robots et ça a fait foirer un petit peu tout l'algorithme. Et en fait, le problème avec ces applis, c'est qu'il ne peut pas y avoir de personnes physiques pour juger ça, pour trier, pour vérifier, parce qu'il y a beaucoup trop d'activités. Ouais, clairement, ouais. Du coup, ils sont obligés de mettre des robots. Mais les robots, c'est des robots, il n'y a pas trop de libre arbitre, c'est soit ça, bah, soit ça. C'est-à-dire que, bah, comme là, on disait justement, imagine t'envoies un message à ton neveu. Bon, après, voilà, on est sûr vraiment, imaginons tu DM d'un coup 20 mineurs. Bon, c'est pas pareil que si t'envoies un message à peut-être ton seul neveu. T'as peut-être 20 neveux au final. Mais... T'as peut-être 20 neveux, t'as peut-être 500 neveux, on sait pas, tu vois. tout de suite, les échelles, tu vois, c'est pour arrêter oui, avec tu ça. Il y aura toujours ce problème-là de. Bah, c'est une intelligence artificielle, donc. Oui. Ah, c'est vrai que ça peut être assez compliqué en fait pour le coup de juger correctement. Après, j'imagine qu'ils vont mettre en place une sorte de SAV en mode oui. Bon, voilà, t'as perdu ton compte parce que t'as parlé, maintenant justifie-toi. Pourquoi est-ce que. De toute façon, tout ça, Tinder, Instagram, ça part d'un super bon sentiment. Après, pour la mise en place, ça va être technique. Ouais. Et justement, pour déjà éviter que les enfants de 13 ans, enfin d'en dessous de 13 ans, pardon, s'inscrivent sur Instagram, ils vont mettre une sorte d'IA aussi, une autre intelligence artificielle, pour essayer de vraiment. C'est vraiment c'est de la CIA. Hein. Ils vont vraiment essayer. De deviner si tu as vraiment 13 ans ou pas. Ah oui, et donc okay, du coup, okay. Si tu es en dessous de 13 ans, ils te bannissent directement ton compte et tu okay. ne peux plus accéder à ces informations. Okay. Voilà, c'était mais mes deux avait... petites infos. Vas-y, pardon, excuse-moi. Quand ouais, non, mais il y avait aussi, je sais pas si vous avez vu, pendant le premier confinement, il y avait beaucoup de lives sur Instagram. Ouais. Il y a eu cette mode de live, etc., où il y a eu des lives vraiment hyper borderline, voire... Voilà. Oui. Et où justement, il y avait beaucoup d'influenceurs qui n'étaient pas forcément pour... quand je parle d'influenceurs, du coup, bah, on sait tous à peu près ce que c'est. Peut-être tu peux le rappeler pour les personnes les moins aguerries d'entre nous, ce qui est un influenceur. C'est ça. Bah, un influenceur, c'est une personne qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram ou sur un réseau, quoi, qui est suivi par beaucoup de personnes et du coup qui propose un contenu qui plaît aux gens et qui influence les gens. C'est ça, un influenceur. Oui. Bref, et du coup... T'as, dans la définition, t'as utilisé quelqu'un, le mot... Un influenceur, c'est quelqu'un qui influence les gens, d'accord. Voilà. C'est quoi un influenceur, Ambre, dans le chat, on te demande. Alors... Du coup, un influenceur, c'est quelqu'un qui influence les gens ouais. Les gens, d'accord, ouais, du coup ça c'est dans le mot, c'est carrément dans le mot, je suis pas sûr, en vrai. Ouais. Non, mais je suis pas sûr, mais non, mais et du coup il y avait ce truc de oui, mais il y a des gens, par exemple ma petite cousine, l'ami de mon ami ou je sais pas quoi, qui a 13 ans, 14 ans, qui peut tomber sur ça parce qu'ils suivent les personnes qui bah sont oui. connues, surtout notamment les personnes qui passent à la télé, par la exemple. Télé-réalité, ouais. La télé-réalité, oui. La télé-réalité de fou. Et du coup, ben, c'est eux qui, des fois, ont proposé des choses un petit peu, voilà, et qui sont suivis par des gens qui sont jeunes. Et il y a eu beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça parce que c'est un petit peu. Enfin, ouais, c'était vachement borderline pour un réseau social, pour Instagram, ouais. Sachant que tu as des gens qui sont mineurs et qui suivent ça. Et du coup, vu qu'ils suivent un influenceur, vont se dire ouais, oh, bah, dire, il fait c'est ça. Legit en fait. Genre, juste, ouais, ça voilà. me paraît cohérent alors et tout, lui, il le fait, donc je peux le faire. Quoi. Ouais, voilà, bah, c'est oui. ça. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui véhiculent des mauvais messages, tout simplement. Ouais. Oui. Et du coup, ça va tomber aussi dans ce côté-là c'est où, du ça. Coup, bah, les jeunes sont mal informés, entre guillemets. C'est ça.
Et bah, on revient un peu. En fait, on parle de ça à chaque fois, tout ce qui est fake news. Oui, c'est vrai qu'on revient. C'est vrai qu'on revient un petit peu, parce que c'est vrai que bah, pour le coup, c'est vachement d'actualité en tout cas. Enfin, il y a quand même énormément de médias justement traditionnels, pas traditionnels justement les réseaux sociaux qui bah, justement essaient de se démarquer, à dire bah écoutez, depuis ce temps-là, il y a toujours eu des fake news. Maintenant, on va essayer de restreindre ce mouvement-là. On va essayer de faire en sorte d'avoir que des bonnes informations pour tout le monde et que ça soit fair pour tout le monde. Quoi. Mais c'est ça, mais parce que les médias, c'est dans notre génération, c'est de plus en plus utilisé les réseaux, par tout le monde. Et je sais que maintenant, des jeunes de 13 ans ou 12 ans, ils ont envie d'avoir Instagram parce que voilà. TikTok. Comme, voilà, voilà, c'est ça. Alors que par exemple, nous, quand on était plus jeunes, il n'y avait pas forcément ce problème-là. Mais parce que ce n'était pas aussi notre génération. Donc du coup, bah, maintenant, toutes les applications, que ce soit des applications de rencontres, des réseaux sociaux, etc., ils sont obligés de s'adapter à notre génération. Et au public qui l'utilise. Et c'est vrai que les personnes qui sont encore mineures, c'est un public qui est vraiment tout le temps derrière les réseaux sociaux. Du coup, c'est le public de maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il faut attention, je pense. Ouais, c'est clair, c'est vrai qu'il y a une énorme évolution par rapport à tout ça. Donc, forcément, puis même, on revenait par rapport, déjà, il y a deux semaines, par rapport à Twitch aussi, avec bah, voilà, tous les réseaux sociaux. TFM, ouais, exactement, TF1, tout ça qui venait sur Twitch, Samuel Etienne, qui est le boss de Twitch maintenant. En fait, genre, vraiment, il a percé. Genre, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un live BFM TV. Sur Insta ou je sais plus et à ce qui paraît ça avait grave bien marché parce qu'il y avait beaucoup de réactions dans le chat et du coup ils parlaient ils interagissaient TF1 se sont viandés totalement pour leur premier live. J'avais l'info inverse pour moi. BFM c'était carrément viandé et TF1 avait résisté. TF1, mais on en avait pas parlé il y a deux semaines. Si, c'est un petit peu où on avait introduit le sujet. Pour rappeler le truc, il me semble que moi c'était TF1 qui justement avait fait un live et avait réagi à pas aucun commentaire, rien du tout. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là, un petit peu bah, pas trop Twitch, plus informatif. Bah, c'est ça, ils sont juste mis sur une autre plateforme, mais ils font la même chose. C'est ça. Du coup, voilà, je voulais vous parler très rapidement de, bah, voilà, d'Instagram, de Tinder, etc. et tout, qui avaient justement bah, essayé de proposer bah, de la sécurité tout simplement pour leurs utilisateurs, à voir comment TikTok et le reste, Snapchat aussi, vont réussir à s'adapter, suivre le mouvement et s'adapter. Du coup, on va peut-être enchaîner avec toi, avec Ambre. ça va être l'heure de l'univers d'Ambre. Alors du coup, on l'a vu à la caméra, je crois. Hop là, j'ai fini de boire. Non, alors aujourd'hui, on va parler encore de mode, enfin du luxe. Histoire de changer, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, voilà. Bah, c'est vrai qu'on n'était pas là la semaine dernière, donc peut-être que ça a manqué aux gens. Honnêtement, je pense pas. Alors, excusez-moi. Non, vas-y, continue. Avec Armand, vas-y, continue. Ouais, vas-y. D'accord, parce que les logos... ça tire à balles réelles. En tout cas, on verra comment ça va se départager à la fin sur le quiz, hein, parce que pour l'instant, on a quand même deux victoires d'Axel pour une. Oui, mais il y a 2-1, ça va, c'est pas comme si j'étais à 0. On verra après, d'accord. Du coup, enchaîne sur. Alors, là, moi, je vais vous parler pour le moment d'une Project Week. Donc, vous savez ce que c'est. Non, tu peux l'expliquer. Ok. Alors, c'est. Qu'est-ce que c'est une Project Week? Bah, dis-nous, hein, alors... qu'est-ce que c'est qu'une Project Week? La Project Week, en réalité, du coup, c'est un projet, enfin, c'est une start-up qui, c'est un événement qui se passe sur une semaine, qui est accompagné et où, en gros, ça permet de développer une idée par rapport à un domaine bien précis. Qui est organisé entre, du coup, eArtsup et entreprise. Je n'ai pas fini, là, je suis en train de donner la définition. Je vois qu'elle n'est pas trop live, elle, hein. Vraiment, elle est partie sur son pitch, là, elle ne veut pas le. Tant qu'elle n'a pas terminé, tu vois, c'est bon, tu vois, tu te tais, tu ne parles pas, d'accord? C'est bon, vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. Du coup, les interactions, c'est pas ton truc. J'ai pas l'impression, voilà. Battez-vous, bah voilà, c'est parti, on fait un octogone sans règle. C'est parti. Vas-y, non, du coup, on te laisse parler, excuse-moi. Vas-y, y'a pas de soucis. Coupe les micros, peut-être, Paul. Hein. Vas-y. Mais du coup, en fait, ces participants-là ont la chance de travailler sur un projet pendant une semaine. Ils sont encadrés juste pour donner leurs idées. Vous pouvez quand même parler, je vous vois. Eux, ils vous voient pas, mais moi, je vous vois. Ouais, vas-y, continue. Et du coup, notre école, iArtsup, fait une Project Week avec les écoles de ISEG et Epitech. C'est des écoles qui font aussi partie de notre groupe IONIS. Et cette semaine, c'est une Project Week autour de Mugler. Donc, vous connaissez Mugler ?
Non, vas-y. Non, qu'est-ce que tu fais, Mugler? Si jamais on rigole, c'est parce que bien sûr, en fait, on prépare les sujets ensemble et du coup, bah forcément. Et puis on est dans l'école, donc on finit. Donc du coup, voilà. Donc qu'est-ce que c'est, Mugler? Dis-nous tout. Alors, là, comme on peut le voir, c'est l'affiche de présentation de. Enfin, c'est l'affiche de com de la Project Week. Et donc, c'est une illustration de Mugler. Mugler, c'est une maison aussi luxueuse qui a été créée en 1973. La bossé, hein. C'est rare. Juin 1973. Je crois. Je sais pas. Fin ouais, juin. Continue. Alors en fait, on fait que de la couper. Oui, ouais. Et du coup, Mugler, c'est vraiment la maison Mugler qui a envoyé une demande aux écoles. Donc Mugler, c'est vraiment Mugler, c'est ça. Vas-y. C'est quoi, j'arrête de parler. Le sel, ouais. Axel, le sel. Vas-y. Bref. Continue. Et oui. Donc voilà. Et Mugler, c'est une maison qui propose, qui sont beaucoup connues pour leurs parfums. Et ils font aussi du prêt-à-porter, mais d'accord. Plus féminin. Okay. Donc, ils sont connus pour leur parfum Angèle, qui a été créé en 1992. Donc, comme on peut le voir juste... Oh là, la voilà. Régie. Du coup, c'est le parfum le plus connu de Mugler. Ah, mais oui, oui. Non, mais oui. C'est connu, Angèle, ouais. C'est connu. Date, ouais. Il y a une petite vidéo de présentation de ce parfum que j'ai trouvé sur Internet, où on peut voir un petit peu leur DA et leur... T'as trouvé la vidéo sur internet du coup. Pardon, sur la toile, sur le World Wide Web. La blogosphère. La blogosphère. Du coup, peut-être qu'on peut la voir, c'est ça? Ouais. Donc, c'est le premier parfum de la maison et c'est un parfum pour femmes. Et ils ont fait une déclinaison aussi qui s'appelle Angel Nova. Donc, ça, c'est le parfum de base, Angel. Ok. Donc voilà. C'est sorti il y a pas longtemps ou c'était déjà vu, parce que j'ai l'impression ça que c'est un nouveau spot publicitaire oui, pour le parfum. J'ai l'impression que ça dit carrément quelque chose. Ouais. Voilà. Mais je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu partout. En fait, Mugler, c'est une ancienne, enfin c'est une marque assez vieille qu'on connaît beaucoup pour les parfums, mais je vais en parler juste après, qui touche pas forcément un public non plus très très large quoi. C'est plus un public ciblé. C'est ciblé. Ouais. Voilà. Et ils font aussi des parfums pour les hommes, par exemple. Du coup, comme on peut le voir ici, c'est le Amen. Ok. Voilà. Et en gros, Mugler, du coup, la collection féminine, elle est plus... c'est que sur les femmes. Et là, c'est la dernière collection qui va être présentée pour l'été 2021. Okay. Donc d'accord, c'est assez extravagant, c'est assez ouvert. Il y a une vidéo ils font, aussi. Ils font juste aussi de après. La mode du coup en parallèle, bah du coup sur leur prêt-à-porter de base. C'est mais du coup ils essaient quand même de balancer. C'est ça, mais c'est plus c'est plus en gros axé sur les féminins et le public féminin. Tu vois, c'est un peu de diversifier aussi leur contenu. Mais la mode, ça commence depuis longtemps. Ils ont déjà fait des collections depuis dans les années 1900, etc. En fait, justement, avec la mode des prêt-à-porter, ils touchent plus de public qu'avec le parfum. Okay. Le parfum, ça va être plus centré sur des personnes qui ont la quarantaine, enfin un âge un petit peu plus mature, on va dire. Et justement, ils aimeraient toucher un public plus jeune. Ouais. Et c'est la demande qu'ils ont faite à notre école pour la Project Week de créer du contenu pour toucher une nouvelle cible par la gamification. Parle-nous de la gamification. Qu'est-ce que c'est la gamification? On est chiant. On a Production qui dit il est taquin ce soir, Axel, dis donc. C'est vrai. En même temps, on connaît Coluche, hein, donc. C'est vrai. Petite private joke. Annoncé. Il faut parler dans le micro hein, si tu veux qu'on d'accord. entende. Voilà. Oui, mais c'était pour pas. Et du coup, la gamification. La gamification, c'est une technique à reproduire les mécanismes associés aux jeux vidéo ou aux applications. Et pour des domaines qui sont pas du tout destinés là-dedans. Ouais. Comme on a pu le voir aux dernières. Les Sims avec. C'est ça, avec Zepeto, l'application Sims, ouais. Zepeto, avec les collaborations avec les jeux, genre par exemple League of Legends et Louis Vuitton, comme j'ai pu vous parler, etc. Et c'est la gamification, c'est quelque chose qui rentre dans le domaine du luxe de plus en plus et qui permet du coup, comme je vous avais dit les autres fois, d'ouvrir des portes à un public plus large, plus jeune, plus dynamique et qui, du coup. Dans les
C'est le public qui est sur les réseaux au final, exactement, qui fait parler de la marque, exactement, qui repartage. C'est justement ce public jeune qu'on essaie de toucher en fait, tout simplement, comme c'est on ça. Disait tout à l'heure, même avec les réseaux sociaux comme Tinder tout ou Insta, en fait, justement, on essaie de toucher un public qui est plus jeune, qui arrive sur le marché, qui commence c'est à avoir ça. De l'argent en fait. Ouais, et exactement. En ce moment, la gamification, ils sont à fond. Hein. Mais en fait, ils sont à fond depuis maintenant parce qu'il y a eu la Covid. Il y a la Covid, donc du coup, t'as pas le choix, en fait. T'es obligé de, si tu veux faire parler toi, participer à des défilés ou des trucs comme ça, t'es obligé de passer faut par t'adapter, des... Faut t'adapter, faut être c'est sur ça, les réseaux. Par le virtuel, par les réseaux sociaux, par, par tout ce qui est connecté aujourd'hui, parce qu'on est tous connectés. Et du coup, ça marche de plus en plus, parce que... Pardon, ouais, je suis désolé. Continuez. Tu peux arrêter, tu peux peut-être regarder le mur là-bas, à la limite. Parle avec moi, du coup. Et ouais. Et du coup, la gamification, en fait, il y a deux types de domaines dans la gamification. Donc, t'as gamifié, donc c'est utiliser un mécanisme de jeu pour faciliter ben, l'engagement, etc. Et t'as le côté ludique. Du coup, où tu vas apprendre quelque chose. Ouais, justement, avoir ce côté où tout simplement tu vas pouvoir interagir de façon ultra simple, entre guillemets, et justement tu as l'impression de t'amuser tout simplement c'est pendant ça. Que tu es en train de, de consommer des produits bah, ouais. ou quoi que ce soit. C'est ça. Et en gros, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que les clients, en gros, qui se mettent à la gamification, enfin qui vont par exemple jouer à leur nouveau jeu, etc., c'est des clients qui ont besoin d'avoir une nouvelle expérience client. Que d'aller dans un magasin et de voir des gens, tu vois. Ils ont besoin d'être touchés par autre chose. D'accord. Et par exemple, Mugler, ils veulent se mettre sur la gamification parce qu'ils ont un cercle, ça s'appelle le cercle, c'est un cercle VIP qu'ils proposent. Et où en gros, c'est un cercle de fidélité. Ouais. Et en fait, si tu veux, si tu achètes un parfum, tu as un code dans ton packaging de parfum pour accéder à ce cercle-là. À toutes les autres entreprises, entre guillemets, avec c'est qui ça. Sont en partenariat. Et il y a une vidéo d'ailleurs pouvoir... que j'ai trouvée sur le cercle de Mugler qui explique un petit peu comment ça se passe. Et dans ce côté VIP, c'est plus des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont un âge plus mature. Ouais. Okay. Et en gros, parce que là, par exemple, j'ai ramené un parfum, un échantillon de parfum que j'avais, okay. Parce qu'ils disent que leurs parfums sont trop forts, ils sont trop vieux, etc. Donc, du coup, je voulais que. Tu veux qu'on le teste, du coup. Réaction en direct. Du coup, on a la réaction en direct. Voilà, en plus, on a la vidéo qui tourne en même temps. Là, on peut voir ouais, voilà, la vidéo de présentation sur le cercle VIP. Et du coup, leur but avec le cercle serait d'intégrer des personnes plus jeunes au cercle avec la gamification, justement. C'est ça. Okay. En fait, ils ont un programme. Ouah ça sent fort. Ouais, j'ai cassé le truc. Et tu peux sortir depuis là. Mais tu sais comment ça marche un échantillon ? Ouais, de fou. Tu mets du parfum ? Ouais, des fois, de temps non, en temps. Mais ça m'arrive. Ok, ça tabasse. Ouais, en fait, ça sent très, très fort. Et là, en fait, comme on peut le voir, donc du coup, t'achètes quelque chose. Donc, t'es obligé de créer un compte. Si tu veux faire partie de ça, t'es obligé de créer un compte. T'es obligé de dépenser aussi. Et en fait, avec ça, t'as des offres, t'as des. Merci. Il est content, il a tout caché. Ouais. Je suis pas content, c'est juste que ça me fait rire parce que j'ai vraiment détruit le truc. Mais c'est oui, pas grave. Oui, j'espère ouais, ça que sent... tu voulais pas utiliser cet échantillon en tout cas, non, parce que c'est plus utilisable. Mais... D'accord. Mais du coup, ouais, c'est un système qui marche bien, mais pour les gens. Enfin, c'est trop, je trouve. C'est le public sectaire. Habitué. Ils veulent, voilà, ils veulent ouvrir ça. Le cercle. Mais c'est ça, ils c'est trop sectaire. Rentre dans le cercle. On est sur du Fianso. Vraiment, Mugler X Fianso, là, ça y va. Ouais. Et du coup, c'était le but de nos étudiants. Donc là, pendant cette semaine, ils vont plus réfléchir aux idées de comment ils vont pouvoir dynamiser le truc, faire que des jeunes, par exemple, moi, en l'occurrence... Comme nous, en tout cas. Comme nous, oui, voilà. Des jeunes, entre guillemets, justement, d'une tranche d'âge entre 20 ans et 30 ans, on va dire. Voilà, essayent justement d'être plus intéressés par ce genre de produit, tout simplement, en rajoutant ce côté ludique, tout simplement. C'est ça. Enfin, tout simplement, il faut le trouver encore. Bah, ouais. Ça, c'est à nos étudiants. C'est le but. Ouais. C'est à nos étudiants de trouver tout ça. Mais justement, d'essayer de trouver, cette façon-là de et pouvoir. Et en fait, par la gamification, suivant comment ils vont créer ça, en gros, le but, c'est par exemple d'être en compétition, d'avoir un accomplissement à la fin. Et en fait, ça permet aussi aux gens de jouer. Et quand tu joues, tu prends un plaisir, c'est un moment de détente, etc. Et là, c'est ludique dans le sens où tu vas découvrir une nouvelle chose.
Et en fait, leur but à eux, c'est d'avoir un but à la fin, c'est de gagner quelque chose. De gagner un dans tous les produit cas. Ou de. Enfin voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de trucs là, justement, pour faire le parallèle avec WoW, comme ça, on peut voir directement ouais, le rapport dans les jeux vidéo. C'est vrai que dans WoW, il y a énormément ce truc là de. Bah voilà, t'as des événements qui se passent très régulièrement, ça très fidélise. Fréquemment. C'est pour fidéliser. Mais c'est ça. Exactement. Et du coup, il y a même carrément un calendrier avec tous les événements qui vont tomber. Typiquement, bah, Halloween, il y a toujours un événement pour Halloween. J'imagine que ça sera pareil, du moins dans les réseaux comme bah, voilà, les parfums ou n'importe quoi qui est gamifié encore une fois, et du coup bah voilà, event Halloween, celui qui vient déguisé avec une citrouille, bah on lui offre son petit parfum. C'est vrai que tu peux avoir ce côté là bah ultra intéressant, ultra convivial, et qui donne cet aspect là de se donner entre guillemets un petit peu pour la marque en fait, vraiment, parce que tu vas faire ton déguisement de citrouille etc et tout, en vrai t'as autre chose à faire, enfin on va pas se mentir, mais t'auras gagné quand même un truc à la fin, donc bonne c'est idée, bonne stratégie au final, carrément, ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais chopé une petite citation de Pierre Berger qui dit que la mode est au rendez-vous avec le temps et l'avenir appartient à ceux qui utiliseront les technologies de leur temps et satisferont les besoins et les envies des consommateurs. Pas avoir sur les mots, Michel. C'est ça. Ah, et la gamification fait partie de ces phénomènes nouveaux de notre époque dont le luxe ne peut se passer pour créer auprès des jeunes générations intérêt, engagement et fidélisation. Ok, donc vraiment il y a cette idée-là, voilà, que la gamification, bah ça réunit tout le monde et ça permet justement voilà, de proposer un énorme contenu. Et moi, tu peux propulser ta marque, tu peux faire parler de toi, tout ça. C'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est ultra engagé en fait, tout simplement, et d'avoir ce voilà encore une fois. Ouais. La gamification, c'est top, on peut le dire. C'est du coup, on va enchaîner très rapidement. Enfin, du moins, on va prendre quand même un peu le temps, mais on va enchaîner avec Axel vient débattre. C'est quand même ta chronique. Donc au début, on voulait la changer. Au final, on la change pas. Au final, on la change pas. Parce que je me suis rendu compte qu'au final, avec cette chronique, on pouvait quand même parler de choses assez larges. Et c'est top. Petit teasing, tu vas nous parler de quoi là dans deux minutes. On va parler de l'éco-branding. Donc c'est la communication. C'est l'heure de Axel vient débattre. Et c'est reparti pour un fou rire de hambre. Ça, c'est pour le best-of. Si jamais Paris veut nous regarder, c'est pour le best-of, ça. C'est sympa de pourrir le début de ma chronique. Ouais, t'as pas été très fair avec elle non plus. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Vas-y, prends le temps. Non ? Alors, vas-y, Axel, à ton tour. Alors, aujourd'hui, dans Axel vient débattre, on va parler d'un sujet hyper intéressant, comme d'habitude. Oh, toi, tu jettes des fleurs. un petit peu. Comme d'habitude. Hein ? Comme d'habitude. Non. Aujourd'hui, on va parler de l'éco-branding, donc justement de ce qui allie un petit peu développement durable et graphisme, parce que c'est vrai qu'on est dans des métiers qui polluent beaucoup, les serveurs internet, le print, donc c'est tout ce qui est graphisme physique, ça pollue énormément. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, est-ce que déjà vous avez déjà vous entendu parler de branding écologique, et est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est? Alors ouais, carrément, justement, parce que j'ai été quand même vachement sensibilisé sur 2-3 projets qu'on a fait, que ce soit perso ou avec l'école, justement bah, utiliser des techniques ou des moyens directement dans le design directement de ton produit, de prendre l'écologie tout simplement en compte. Ouais. Donc mais vas-y, du coup, je te laisse expliquer pour... Bah, du coup, une définition un peu plus claire de ça, c'est tout simplement une tendance assez récente. D'ailleurs, on commence déjà à être sensibilisé dessus et je pense que plus tard, on va être vachement sensibilisé dessus. Qui consiste à limiter les ressources utilisées dans la communication de marque, tout simplement. Donc ça va surtout toucher, comme j'ai dit tout à l'heure, au graphisme print, parce que c'est ce qui pollue le plus. Donc c'est tout ce qui est imprimé en physique, on a les packaging, les logos sur les cartes de visite, les affiches, les flyers, etc. Les choses auxquelles les gens sont confrontés tous les jours et qui sont vraiment massifs. Ouais, carrément, justement, on avait cette idée là aussi avec justement quand on imprime quelque chose tout en noir, on va peut-être éviter parce que ça utilise énormément d'encre. C'est ça, ouais. On va en parler justement. Et du coup, en ce moment, on voit pas mal de projets d'éco-branding sortir. Je sais pas si vous avez entendu, mais on va en parler juste après, qui sont vachement percutants. Et du coup, on va voir quelles démarches ont été réalisées avec l'éco-branding, comment ils ont fait et au final, est-ce que c'est efficace. Donc, d'abord, est-ce que je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous connaissez des démarches d'éco-branding? Oui. Ouais, 2-3. Moi, je connais Mike. 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 C'est un mec. Mike, c'est un gars en or, c'est le pote à Michel. Michel. Et toi, du coup, t'as une idée de... On en parlait tout à l'heure de McDo, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai que justement... Par rapport à leur gobelet. On en parle pas trop, mais c'est hyper intéressant de soulever ça, parce que... En ce moment, tout le monde l'a vu, les sacs en plastique, ça se vend presque plus. Les pailles,
Par exemple, dans les McDo, elles ont été remplacées par des pailles en papier, c'est en carton. C'est même pas des pailles, c'est genre des... gobelets directement. C'est des trucs gobelets où tu bois dedans. C'est ça. Ouais, et certaines marques les ont remplacées par des trucs en carton, mais oui. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de trois démarches d'éco-branding en fait, qui sont réalisées avec trois méthodes. Trois méthodes différentes. Je comprends pas ce qui se passe pour ce plateau. Vraiment, aujourd'hui, tu es déchaîné. Hein, vraiment. Donc, on a d'abord... comme tu le disais tout à l'heure, l'éco-branding, c'est dur de rester concentré. Je sais, l'éco-branding par l'économie d'encre. Donc, on a deux principales méthodes dans cette méthode qui ont été développées pour réduire l'encre. Et si on réduit l'encre, on réduit l'empreinte écologique au final. Paul, si tu peux mettre un petit visuel, il me semble. Du coup, j'ai juste une question rapidement du chat. Est-ce que Ecosia en soi, c'est de l'éco-branding ou ça n'a aucun rapport? Alors, Ecosia, c'est pas de l'éco-branding. C'est pas de l'éco-branding, mais c'est une démarche écologique. C'est une démarche écologique. C'est de l'univers digital, mais c'est pas lié au branding. Le branding, c'est vraiment la communication et la publicité sur les marques. Donc non, mais Ecosia, on pourrait revenir. C'est ils plantent des arbres à chaque recherche, il me semble. Peut-être pas à chaque recherche, mais à un certain nombre de recherches. Ouais, c'est ça, vraiment. Une recherche, un arbre, ça fait beaucoup d'arbres quand même. Mais du coup, non, Ecosia n'est pas considéré comme, comme de l'éco-branding. Tout d'abord, donc, dans la réduction d'encre, on a le minimalisme et l'épuration de logo. Il me semble que c'est la diapositive d'après, Paul. Voilà, donc là, par exemple, on a le logo Apple qui va à gauche être en volume, métallisé avec plein de couleurs différentes et donc plein de couches de couleurs. Et à droite, un logo simplifié. Et en fait, ça... La simplification et la minimalisation du logo, déjà, ça permet ça permet déjà d'être dans la mode d'aujourd'hui, parce qu'on en parle tout le temps. C'est le minimalisme sur le côté justement minimaliste. Et du coup, c'est vrai que ça a aussi des techniques d'impression qui sont bien différentes. Des techniques d'impression totalement différentes, parce que sur certaines imprimantes, justement, quand il y a plusieurs couleurs, plusieurs dégradés, ça va imprimer plusieurs couches. Et donc là, ça permet de faire une économie d'encre. Un seul d'un coup, quoi. Et du coup, économie d'encre, réduction de l'empreinte écologique. Et on a aussi, du coup, diapositive d'après encore, la réduction des contours. C'est de ça que tu parlais, Je parlais en plus, c'est celui que j'avais vu, justement. Ouais. Pour du print, principalement des visuels print, en fait, en réduisant tout simplement la surface à imprimer, là, on a le contour à l'intérieur qui... On a juste un contour et à l'intérieur, c'est vide. Ça va tout simplement permettre de faire des économies sur la quantité d'encre utilisée. Donc, par exemple, sur ce logo, pour être en chiffre, on a à peu près 25% d'encre en moins qui est utilisée sur le logo droite que sur le logo de gauche. Justement, il y avait une sorte de success story, entre guillemets, aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. En tout cas, je vais quand même la donner, puis on verra bien. Juste, Paul, si tu peux mettre la première diapo, on voit plein de logos en contour, justement, pour les économies d'encre. Justement, pour revenir sur les économies d'encre, aux États-Unis, donc en fait, un enfant de 14 ans a envoyé une lettre à la direction, entre guillemets, des États-Unis, ceux qui s'occupent de faire les documents administratifs, et donc qui perdait je ne sais plus combien de milliards de dollars à faire justement tous ces documents-là et les imprimer, etc. Et il leur a dit, écoutez, au lieu d'être en typo 14, passez en typo 12 sur vos documents. Ouais, Donc la taille de la police, en fait, réduisez-la juste d'un cran, un tout petit peu. Et ils ont gagné, je crois que c'est astronomique, je crois que c'était vraiment 4 milliards de dollars juste sur cette réduction-là. Ils ont gagné genre énormément d'argent, parce que du coup, ils utilisaient moins... C'est massif en impression, ça va être massif en coût réduit. Là, justement, on a plein de logos. Je prends notamment le logo UPS qui, à la base, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un logo qui n'est pas flat du tout et qui est en relief avec des dorures. Donc là, en plus, ils l'ont passé en minimaliste et en plus, ils ont enlevé certaines choses dedans. Il y a un petit point négatif, c'est que ce n'est pas forcément très esthétique du coup. Après, j'imagine que ça doit quand même rester quelque chose de bien fait. Et ce qui est un peu plus parlant, justement, c'est le McDo, je trouve. Ouais. Le McDo, je trouve qu'il est ultra parlant parce que du coup, de base, tout le monde le voit, j'imagine, mais c'est en plein, en jaune. Ouais. Et là, pour le coup, c'est tout creusé à l'intérieur et donc c'est pas forcément moche. Et à la fois, ça fait des économies, donc du coup, il y a quand même des points positifs. C'est ça. Et en plus, autre point positif, du coup, comme t'en parlais tout à l'heure, moins d'encre, moins de coûts d'impression. Donc, un point négatif de ça, c'est que du coup, moins de coûts d'impression, peut-être qu'il y aura plus d'impression. Et qu'au final, ça va pas bouffer de l'encre, mais du papier. Donc, ça commence en fait à ressortir, mais à chaque fois, l'éco-branding, il y a avantage, un inconvénient en retour. On a, en dernière chose, l'éco-branding et les écrans. Donc, je sais pas si vous le savez, enfin, si vous devez le savoir, mais les gens savent pas forcément que c'est lié à l'éco-branding. Le mode sombre. Les applications, même sur le téléphone directement. Paul, le mode sombre sur les applis. Donc, on a Discord qui fait ça, on a Snapchat. En fait, presque tous les logiciels Google, etc. mettent un mode sombre. Donc déjà,
confort visuel sur certaines applications. Et tout simplement, plus le site ou l'application a une interface sombre, en fait, moins l'écran va activer, va utiliser le potentiel des LED. Et aussi, du coup, de la batterie, etc. Si tes LED, elles sont réduites à un certain potentiel, ta batterie, elle va moins, elle va s'écouler moins vite et du coup, tu chargeras moins ton PC. Ouais, du coup, cette espèce d'effet papillon, entre guillemets, qui se répercute un petit peu sur tous tes composants et qui fait qu'au final, tu vas moins charger ton... C'est ça, c'est une réaction en chaîne. Écran sombre, moins de batterie, plus d'économie d'énergie, tout simplement. Mais c'est un petit peu... Donc, tu as ce côté écran sombre, etc. Mais tu as aussi maintenant sur les téléphones, le mode night... Oui. C'est pareil. C'est tout simplement tes LED qui vont baisser en intensité et du coup, il y aura plus d'économie d'énergie. Donc ça, ça rentre dans l'éco-branding. Et dernière chose, un des brandings dont on parle le plus, c'est l'éco-branding par le packaging. Donc vous, c'était par rapport à McDo, etc. Moi, j'aimerais qu'on prenne un exemple en particulier. Paul, si tu peux mettre notamment avec Ruinart. Voilà, Paul à la régie qui boit beaucoup de Ruinart. Il boit beaucoup de Ruinart, Paul, à la régie. C'est des bouteilles qui sont assez chères. Ma passion. Voilà. Et du coup, c'est pour rapporter ça un petit peu plus au côté graphisme. Donc, il n'y a pas longtemps, Ruinart a sorti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les étuis seconde peau. En fait, c'est tout simplement des packagings en papier 100% recyclable qui épousent parfaitement la feuille de la forme de la... feuille, papier, feuille, la forme la forme de la bouteille, et du coup il y a des choses qui sont adaptées dessus pour pouvoir le poser Donc ouais, ils ont fait en fait cette fois-ci le packaging directement et non pas dans le digital. C'est hyper beau, c'est hyper élégant, c'est exactement en plus ils ont passé quand même 2 ans là-dessus, donc il y a des propriétés sur ce papier, il est ultra résistant. Tu le fais tomber normalement, de pas très haut. Ça casse pas la bouteille, c'est quand même le principe de base. C'est exactement, parce qu'en fait, ils ont remplacé ça par les caissons, les gros caissons, ça renforçait bien. Mais là, on a à peu près la même résistance. Et c'est surtout ultra protecteur, donc ça change pas, ça déforme pas tout le goût du vin. Et pour la dégustation, c'est parfait. Et du coup, question peut-être rapide, est-ce que c'est possible du coup de réutiliser ces étuis-là? C'est possible, le papier est 100% recyclable. Donc, ok, donc quoi qu'il arrive... De toute manière, si tu le réutilises, tu peux, mais si tu le jettes à la poubelle, tout le papier va être recyclé pour reformer ça. Et du coup, c'est là où je suis content, c'est pas du branding. Okay, c'est pas du branding, vous savez pourquoi. On est sur la dernière diapo, Paul. En fait, tout simplement, le papier, la texture et la couleur du papier va rappeler la texture justement de la roche qu'il y a à l'intérieur des caves où sont faites le Ruinart. Ah, okay. Tu peux peut-être rappeler pourquoi est-ce que toi ça te plaît autant. En fait, tout simplement parce que c'est réfléchi, il y a une démarche derrière. Déjà, il y a une démarche écologique, donc c'est génial, et en plus il y a une démarche de pensée. On est dans du branding écologique, et c'est ça qui est génial, c'est allier branding au développement durable. Ok. Et ma question, c'est par rapport au Ruinart, là. Est-ce que, vu que c'est un papier de qualité, où ils ont mis du temps à le faire et tout, est-ce que ça... D'accord. On a toujours Ambre en roue libre. En tout cas, vraiment, cette émission, c'est Ambre qui rigole. Hein. Avoir peur, là. Ça rend le Ruinart plus cher. Est-ce que le coût, du coup, à l'achat est plus cher par rapport Non, parce que dans tous les cas, le vin, c'est pas le packaging qui compte. C'est du champagne. Général, ce qu'elle nous demande dans le micro, en chuchotant, donc vous entendez tout normalement. Ça rend pas le vin plus cher, c'est juste déjà moins cher pour eux les coûts de production. Et c'est dans une démarche de développement durable. Est-ce que je veux avoir votre avis, et est-ce que vous ressortez des points négatifs de ça? Parce que c'est quand même vachement positif dans la démarche, mais il y a un point négatif, mais je veux votre avis avant. Il y a un point négatif, du coup tu vas essayer de voir si on connaît. Du coup, Ambre, rapidement, tu peux commencer du coup. Vas-y. Un point négatif. Si t'en trouves. Hein. Je sais pas. Pour moi, à la limite, ça peut être du coup soit le côté. Ça protège peut-être pas assez, parce que comme on a vu sur la bouteille, on avait quand même le haut de la bouteille qui sortait. Donc à voir si vraiment ça. Bon, après, j'imagine que s'ils ont passé 2 ans dessus, ça va pas non plus trop gêner. Ouais. Mais après, voilà, moi pour moi, il n'y a pas vraiment de point négatif parce que justement, c'est écologique et le principe, c'est de faire. Il n'y a pas de point négatif, il y a juste un petit inconvénient, c'est que malgré l'évolution des mentalités, des démarches, ce qui est très bien, on a quand même un impact écologique qui va être présent. J'en parlais tout à l'heure, moins d'encre, moins de coûts d'impression, plus d'impression, justement. Donc au final, ça va presque s'annuler.
Pour le ruinard, oui, comme tu le disais, peut-être déjà peut-être le packaging s'adresse pas à la clientèle, peut-être qu'il veut quelque chose en bois sculpté, etc. Et en fait, tout simplement, pour l'instant, les démarches qui sont prises, elles changent absolument rien. En fait, il y a une évolution des mentalités, mais c'est de l'ordre, au niveau du changement pour l'écologie, c'est de l'ordre de 1%. Donc, Ouais, donc c'est pas grand-chose par rapport à voilà, c'est ça. toute l'énergie qui est mise en place autour de tout Exactement. ça, c'est pas Après, on n'est forcément. qu'au début, donc à voir comment ça évolue. Bah c'est vrai que l'éco-branding, pour le coup, c'est quand même assez. Enfin, c'est relativement nouveau quand même. Ça fait moins de 5 ans, Ah, ça entre fait guillemets, 5 ans, que. Voilà. ouais. 5 ans qu'on commence à vraiment s'y intéresser. Donc, à voir peut-être déjà dans 10 ans comment ça aura évolué et Exactement. comment est-ce que justement, bah, si ça se trouve, le ruinard, ça sera l'exemple même justement de comment est-ce qu'on met une bouteille tout simplement C'est ça. en sécurité, C'est mais ça, parce que ça se écologiquement. trouve, ils vont trouver que c'est mieux. Donc, à voir à la suite, c'est qu'un début, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de. Enfin, là, on parle de éco-branding parce que bon, voilà, c'est notre milieu. Mais il y a énormément maintenant avec ce mouvement-là, même de magasins, de. Enfin, d'autres artisans, on va dire, ou sociétés ou quoi, qui marchent dans l'écologie et de plus en plus. Qui Ouais. font des trucs dans ce milieu-là pour, pour justement tous ces mouvements et tout. Donc en vrai, je pense que plus tard, ça peut que. Enfin, je Ah, pense que tout le monde totalement. va marcher comme ça Mais plus tard. déjà, Hein. rien qu'avec les sacs, maintenant dans un magasin de Ouais. vêtements, Ouais, etc., clairement, maintenant, il n'y a plus de les sacs sacs en en plastique, papier, etc. et tout. les sacs en plastique, ça n'existe plus. C'est ça. Je prends un exemple, Footlocker, tout le monde sait très bien à quoi ressemble le sac en plastique. Maintenant, c'est du papier. Ouais. Il n'y a plus d'utilisation de plastique. C'est vrai, et Et. même justement d'autres marques, bon, on va peut-être pas forcément citer des noms, mais c'est vrai que bah, rien qu'à la boulangerie, par exemple, t'arrives, donc on va faire payer en plus le sac, donc du coup il y a un autre côté. Déjà, ils te font payer Ouais, le sac et c'est ils te ça. demandent Et si t'en ils veux te le donnent pas un. C'est systématiquement. Et c'est vrai ça. que c'est ultra intéressant parce que du coup, bah, on commence vraiment à avoir un bel engagement écologique. Exactement. Après, faut quand même se rappeler que c'est pas non plus tout récent. Enfin, je veux dire, C'est l'écologie, ça ça. fait quand même un moment C'est sûr. qu'on Donc là, aborde le sujet, c'est ça. etc. Là, ça commence dans le graphisme, mais il y a toujours cette question d'utilisation de papier au final, bah, déforestation, donc c'est peut-être encore C'est ça. Et justement, pour pareil. revenir sur Ecosia, pardon, excuse-moi, bah du coup, c'est vrai que c'est bien ce genre d'initiative de la part de moteurs de recherche ou de Totalement. personnes qui n'ont rien à voir à la base avec l'écologie, parce qu'il faut savoir que les serveurs, ça pollue énormément. Ah, Et ça pollue. rien Ouais, c'est pour ça que je qu'une disais que le graphisme pollue aussi rien énormément. qu'une boîte mail pleine, ça pollue, en fait, tout simplement, parce que ça prend de la place sur les serveurs, donc du coup, ça chauffe. Enfin bref, Ouais. ça fait pas mal Puis la de. chaleur générée par les serveurs, etc., Ouais, c'est carrément. Et consommé. justement, bah alors là, j'avais pas du tout préparé, mais du coup, je vous lâche l'info comme ça rapidement. Vas-y. Il y a un truc qui est super. Donc, je crois que c'est en Suède. En Suède, ils ont énormément de serveurs. Là-bas, ils stockent énormément de serveurs, tout simplement pour une seule des conditions qui est le froid, parce qu'il fait très froid. Bah oui. Et du coup, les serveurs, donc vraiment les serveurs de data données, sont en fait tout simplement des radiateurs chez les particuliers. Et en fait, Oh. ils font. Donc les particuliers achètent entre guillemets leur radiateur normal, beaucoup moins cher que le prix d'un Bah radiateur. oui. Et du coup, en fait, tout simplement, ils reçoivent un serveur, tout simplement, qui Ouais. stocke les données, si ça se trouve, je sais pas, de Apple, de Google. Enfin bon, celles-là, je pense qu'elles sont protégées. Mais je veux dire, de mail ou quoi que ce soit. Et en fait, ça chauffe tellement que ça chauffe leur Bah, appartement et ça chauffe leur on est maison. sur un type d'éco-branding aussi au final parce que tu remplaces le radiateur par un C'est ça. serveur. Est-ce que c'est pas plutôt de l'éco-ergonomie? Je sais pas. Eh ouais. Mais ça me fait penser à l'année dernière quand on a eu notre projet Synergy Days là. On avait parlé moi dans mon groupe des data centers et justement notre projet c'était on s'était beaucoup renseigné là-dessus du fait d'utiliser des serres et il y a beaucoup de personnes des entreprises qui utilisent des serres pour alimenter un bâtiment ou une entreprise. Mais en gros c'est pas quelque chose que tu peux envoyé par exemple dans tout un pays, c'est vraiment basé que sur un bâtiment, on Ouais. va dire. Et ça se fait de plus en plus, les grosses entreprises, les grosses sociétés, etc., justement pour économiser un petit peu Ouais. Bah, c'est tout vrai qu'il ça. commence à. Enfin, il y a déjà, il y a de plus en plus des mouvements ultra intéressants, en fait, tout simplement autour de l'écologie. Et Ouais. bah, en fait, j'ai l'impression que l'écologie, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Enfin, j'ai l'impression que C'est pas l'écologie, on en nouveau du parle tout, depuis déjà mais 20 ans. bah, il y a quand même vachement d'actions qui sont faites. Moi, la chronique, c'était plus pour axer le point sur Oui, le bien sûr, graphisme. sur Mais le oui, mais branding. Mais c'est du pas coup, nouveau du tout. c'est vrai que on commence à avoir du rendu en fait. Donc c'est vraiment chouette parce qu'on c'est chouette. On commence à avoir du rendu, donc c'est Top. vraiment cool parce que bah, en fait tout simplement on commence à avoir des vraies C'est initiatives qui ça, sont parce que ça posées. date, hein. On a eu des conférences sur le climat en 2000, Oui, des. oui, C'est ça. mais même par exemple, si tu regardes même les magasins où on va tous les jours, par exemple Zara et tout, ils ont eu beaucoup de polémiques par rapport à ça parce que quand ils font une collection et qu'après les invendus, ils les jettent et du C'est coup, ça. enfin, ça fait une grosse pollution alors qu'il y a des magasins qui bradent énormément leurs vêtements ou ceux qui ont des défauts aussi, qui les vendent par exemple à 1 euro ou 2 euros pour pas les jeter, pour pas Pareil pour les polluer, légumes. pour les légumes, pour tout ça. Enfin, ça rentre dans
plein de choses. On est encore sur un fou rire. On est encore sur un fou rire. Même nous, on sait pas. Je comprends pas. J'ai bougé le micro et elle rigole. C'est beauté. Et bah, peut-être qu'on va pouvoir peut-être prendre une très courte pause. Voilà. Du coup, on va enchaîner. Ouais. C'était bon pour toi? C'est bon pour moi. Super. Du coup, on me fait un signe de la main de la régie. Je ne comprends pas du tout. Du coup, on va peut-être pouvoir continuer, enchaîner avec, avec la régie qui s'en mêle. C'est tout bon, la régie? Un petit mot peut-être pour me dire ce que tu voulais me dire à la base. Non, je voulais dire de regarder les messages. Ah d'accord. Une ambiance assez larguée quand même. On est assez largué. Juste de bon côté, je vous montre le signe, c'est vraiment. J'ai rien compris. Parce qu'on a des signes. En fait, on a des signes avec la régie. Par exemple, si c'est trop long, on doit faire comme ça, et du coup, faut comprendre. C'est notre botte secrète. Au final, tu viens de tout révéler. C'est vraiment c'est l'envers du décor. Le champagne est un vin pétillant, non? Oui, c'est un vin pétillant. Nous sommes sur. C'est Elox. Rip les 26K mails non lus. Là, par contre, Isley, je rigole pas avec toi. En plus, je te connais bien. Là, tu vas supprimer. Quoi que ça se trouve, il est en train de chauffer quelqu'un en Suède. Donc c'est chouette. Finalement, c'est de l'humanitaire en fait, tout simplement que tu fais. Je suis fier de toi. C'est une famille. Non, on va pouvoir enchaîner. C'est l'heure de la régie qui s'en mêle. C'est Paul. La régie s'en mêle. Coucou les loulous, c'est la régie. Savez-vous comment la publicité ciblée fonctionne-t-elle? Aujourd'hui, on s'en mêle. Bon, ça nous est tous déjà arrivé de faire une recherche sur un produit que l'on souhaite acheter et de se rendre sur un autre site qui n'a rien à voir, Facebook par exemple, et de tomber sur une pub de ce même produit. Eh bien ça, c'est de la publicité ciblée. On va promouvoir un produit qui est plus susceptible de retenir notre attention. Il existe plusieurs moyens de faire de la pub ciblée, mais celui le plus répandu et dont on a tous entendu parler sans savoir ce que c'est les cookies. Tu sais le truc qu'on accepte en bas d'un site dans une petite fenêtre. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Concrètement, un cookie, c'est un petit fichier texte situé sur notre ordinateur ou notre tablette ou bien notre téléphone qui stocke différentes informations telles que nos recherches, notre géolocalisation, notre type d'appareil, mais encore nos nombres de clics ou notre temps passé sur le site web. Quand on accepte les cookies sur un site, on autorise que celui-ci communique avec ce fichier texte et ainsi récupérer nos informations et en inscrire à son tour. À la base, les cookies servaient à optimiser certains sites et permettaient par exemple, lorsqu'on se connecte sur Facebook et qu'on y retourne plus tard, qu'on soit toujours connecté. Cela permet aussi, sur un site de vente en ligne, de garder en mémoire le contenu de notre panier. Mais là où les cookies vont poser problème, c'est lorsqu'ils sont destinés à être vendus. On appelle ça des cookies tierce partie. Un marché géant entre les sites qui récoltent nos données et ceux qui les achètent grandit peu à peu. La vente d'informations va permettre à certains sites et applications gratuites de générer du revenu. C'est le cas de WhatsApp qui jusqu'à présent ne générait aucun revenu et a décidé de se mettre à ce business florissant. De leur côté, les régies publicitaires, soit ceux qui diffusent les pubs, cherchent à acheter et récolter le maximum d'informations sur nous. Et cela plaît grandement aux annonceurs en quête de nouveaux consommateurs. Cela pose de nombreux problèmes au niveau de la justice. Bien que tout ceci soit contrôlé par la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, beaucoup dénoncent une non-information de ce que la publicité ciblée engendre. Accepter les cookies d'une page résulte d'un simple clic. Il est souvent instinctif et la plupart des gens ne sont même pas au courant de tout ce que cela implique. Tout comme les accords de confidentialité à rallonge qu'on ne lit même plus par habitude et on cherche juste à trouver le plus rapidement possible le bouton accepter. Il y a à ce jour d'autres théories comme quoi notre portable ou notre ordinateur nous écouterait. Rien n'a vraiment été démontré à ce jour et la plupart des entreprises nient fortement l'utilisation de nos micros. En toute transparence, si elles s'amusaient à mentir à ce sujet, elles se mettraient sacrément dans le pétrin. De son côté, la télévision a décidé de se battre à armes égales contre Internet. Depuis fin 2020, les chaînes de télévision sont autorisées à proposer de la publicité ciblée à leurs téléspectateurs. Comment c'est possible?
Depuis que les abonnements télé sont proposés par les opérateurs, ces derniers pourront fournir différents types de données, telles que la géolocalisation du foyer, les habitudes de visionnage des chaînes, qui seront potentiellement enrichies par vos recherches et vos achats que vous avez faits par le biais de votre réseau internet délivré par ce même opérateur. Mais jusqu'à où ira la publicité ? Bon bah voilà les loulous, c'était la régie, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Un cookie, c'est un gâteau, Paul et Maël les adorent. C'est super le commentaire, j'adore. On commence là-dessus. On t'embrasse. Du coup, alors qu'est-ce que vous en pensez du coup ? Alors, du coup, je reviens très rapidement. J'ai dit beaucoup du coup, ça vous allez récupérer aussi, j'imagine. oui, parce que alors, si jamais aussi je donne l'information, du coup, il y a aussi les lives de Paris, donc de Yartube Paris, ouais. Général, sur la chaîne de Yartube, qui du coup diffuse aussi une émission, un talk show, ouais. Où du coup, ils font un best-of le très rapide. Le jeudi, c'est ouais, ça. Le jeudi ouais. Sport à 18h. Très rapidement, quel BG cette régie ? Ah mais carrément. très rapidement, pour revenir sur un sujet, donc du coup, il parle énormément. C'est vrai qu'il parle des micros. Non mais d'accord. Mais il parle des micros qui seraient donc utilisés ouais. Pour nous écouter. Alors, c'est vrai. Et Paul n'a pas tort, que si jamais les entreprises s'amusaient à mentir sur le fait d'utiliser les micros... Ils auraient trop à perdre au final. Bah, on serait trop à perdre. Mais, est-ce que, je suis désolé, mais le nombre de fois où juste t'es tranquillement en train de parler... La dernière fois, je parlais d'Azos avec un pote, j'ai eu de pub Azos à chaque fois. Non, mais c'est vrai, et c'est un truc de taré. Mais j'avoue que ça, c'est totalement vrai. Par exemple, quand même on avait parlé de TikTok et on nous avait parlé de repas, je sais pas si tu te rappelles, et Carole, elle avait dit... Après, elle est tombée sur TikTok, elle avait que des repas. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, ouais. En fait, où on a l'impression d'être écouté. C'est ciblé, mais ouais. Il y avait une vidéo d'un gars qui faisait un test, justement, où il enregistrait ses vocaux. Peut-être que ça n'a aucun rapport, mais je trouve ça assez intéressant. Quand tu enregistres des vocaux, il me semble que c'était sur Android, à partir du moment, en fait, où tu commences à enregistrer, eh ben, le robot, lui, il sauvegarde 10 secondes, ton micro, 10 secondes avant que tu aies commencé à enregistrer. 10 secondes, ça me paraît beaucoup. Et 10 secondes après, il me semble que c'était ça sur l'expérience. Mais d'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les écrans de fumée. Mmh. Où justement ils parlent un petit peu de toute cette intelligence artificielle et où en gros ils illustrent par exemple trois personnes qui sont derrière une régie on va dire et qui sont en gros dans le téléphone et par exemple si la personne n'allait pas son téléphone ou quoi ils vont se dire oh tiens attends, on va lui envoyer un truc qu'il aime bien pour que ça capte son attention. Rien que sur Apple quand tu n'utilises pas ton téléphone en général une heure après t'as la petite notification du rapport d'utilisation quotidienne qui arrive pour te montrer combien de temps t'as utilisé ton téléphone, ouais, mais aussi pour dire je suis là, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, d'être écouté. Enfin, ouais. Moi, en tout cas, c'est pas c'est Big Brother, en fait. Enfin, je veillais un petit peu, mais en plus, on est devant une caméra, donc là, on a encore plus qu'écouté. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on a vraiment l'impression d'être tout le temps, en fait, écouté et suivi, quoi. Ça a des bons côtés, la pub ciblée, parce qu'au final, t'as de la pub que sur ce qui t'intéresse, mais au final, t'as de la pub là où tu pourrais pas en avoir, tout simplement. C'est ça. Et en fait, il y a aussi ce côté malsain de se dire, peut-être qu'une fois t'as recherché, typiquement, du coup, j'ai acheté dernièrement un nouvel ordinateur, donc je cherchais, etc. Je ne dirai pas de marque. Pardon, excusez-moi pour ce bruit, ça doit être insupportable à l'oreille. Donc, je cherchais parmi certaines marques, etc. Et tout. Et d'un coup, pendant une semaine, et là encore, alors que j'ai acheté il y a pratiquement 3 semaines, je n'ai que des pubs de la marque que j'ai acheté. Mais je n'ai que ça. Mais ça s'arrête pas. Moi, ça peut aider. Je raconte une petite histoire perso. Hein. Je voulais acheter un blouson, etc. J'en trouvais pas. Un jour, j'ai eu une pub ciblée où ça me mettait le blouson que je voulais au prix que je voulais. Donc au final, je l'ai pris. Mais c'est vrai que c'est vachement dans ta vie. Quoi. Ouais, c'est vachement intrusif. Mais c'est vrai que du coup, il peut y avoir des bonnes situations, comme notamment Instagram. C'est vrai qu'il y a énormément de pubs sur Instagram pour des sites internet, donc de déstockage ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est super cool parce que plein de fois, tu peux trouver des affaires, des vêtements qui pas cher et chouette. Ils mettent des pubs dans les stories quand tu es là, tu passes tes stories, tu as des pubs. Et même dans le côté explorer, genre par exemple, si sur ton Instagram, tu seras plus centré sur la photographie, la vidéo, etc. Du coup, dans ton explorer, tu auras que des comptes qui font de la vidéo, qui font de la photo, que ce que t'aimes toi. Et genre, même pour Netflix, par exemple, si tu regardes nos Netflix, nos Instagram, on n'a pas du tout les mêmes publicités mises en avant, quoi. C'est ça, mais c'est vrai que du coup, après, ça peut poser un problème. Le problème de justement, tu ne peux plus, on ne te propose plus, entre guillemets, aléatoirement des produits ou des sujets ou des choses comme ça peuvent amener simplement de la diversité dans ce que tu recherches et du coup, ce qui te met moins dans une case, entre guillemets, encore On n'est pas trop inquiétés, nous, aujourd'hui, parce qu'au final, on le sait.
peut donner la leçon d'utiliser. C'est vrai. Bah, de toute c'était manière, comme ça pour nous, mais c'est vrai que bah, c'est un petit peu bizarre. Mais nous, on est dedans. Donc, Bah, c'est exactement ça. Elox qui nous dit, après, c'est aussi le principe des algorithmes, des pour-toi TikTok, par exemple. C'est vrai, bah, on en parle, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où bah, tu regardes une fois TikTok, un truc, tu likes, bah, après, t'es sûr c'est d'avoir que, matin, des, que, des, que des mêmes sujets. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est ultra... Enfin, encore une fois, c'est ultra intrusif, mais c'est super intéressant. Ouais, ultra voilà, intéressant, c'était la régie, c'était, la régie sans mail, comme d'habitude. En plus, il était malade la dernière fois, la semaine dernière, on n'a pas pu faire. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de régie sans mail. Ça va mieux, ça va mieux, Paul. Ça, ça fait deux semaines. Écoutez, ouais, ça va très très bien. Hein. Je vais beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir que vous parliez de... des arnaques et des petits problèmes qu'il y a sur Instagram. Parce que je vous le dis, j'ai mené une enquête. Et ouh, l'enquête. Je vais la sujet de la semaine prochaine. Oh, okay. Oh, le petit teasing, ah, ouais, c'est vous. C'est vous. Ah, Paul à la régie qui est bien meilleur que nous. Hein. Vraiment, pour le coup. Du coup, bah, merci beaucoup, Paul. On va passer très rapidement au quiz parce que là, cette fois-ci, il y a de la concurrence. Il y a un peu de rivalité. Je sens que c'est tendu. C'est ça fait une semaine qu'on travaille là, qu'on est sur les sujets. Là, c'est tendu là entre nous. On a même Ambre qui bouge sa nappe tout le temps. c'est tendu, c'est tendu. Du coup, on va passer au quiz. C'est l'heure du quiz. À vos téléphones, mesdames et messieurs. Wow. Allez, rendez-vous tous sur kahoot.it. Kahoot.it, K-A-H-O-O-T.it. Un maximum de personnes pour jouer. Allez-y, rentrez le code PIN, rentrez votre surnom. On attend un petit peu. Des pronostics dans le chat. Qui gagnera ? Donc pour l'instant, on a Axel quand même, hein, qui, sur les quiz comme ça, en tout cas, a toujours été. Qui a dominé quand même le tableau des scores en terminant premier à chaque fois des quiz. Axel le loup, Axel le lion. Ambre, un petit peu sur la réserve, on est un petit peu sur la réserve, mais c'est pour mieux partir. C'est ouais, pour mais mieux... à la deuxième émission, quand même, j'étais cinquième. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Pas à nous, pas à nous. Oh, on a Easley, attention, Easley, c'est un gros compétiteur. On a Lulu, on a Vico, aussi, hein, on toujours. A Elox. Elox, attention, Elox, nouveau sur le live, mais Elox... C'est le plus présent de tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi dans le quiz ? T'as accepté alors, sur quoi ? Aujourd'hui, voilà, j'ai eu 2-3 retours. C'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye d'améliorer un petit peu le quiz parce qu'il n'est pas tout le temps sur les mêmes sujets. On reprend... Pardon. Oh, pardon. T'as pas de soucis, j'imagine, c'est pas grave. Oh, pardon. Donc là, on va faire un peu de culture G quand même. On va essayer d'orienter ça à chaque fois comme sur des films, des trucs comme ça. Ça va être sympa. J'espère que je me suis pas trompé dans le quiz, comme la dernière fois. Je veux un petit commentaire. Axel en sueur avec Ambre qui casse le décor. exactement ça. Exactement. Prono, je win. Est-ce qu'on lance à 12 ou est-ce que tu veux attendre un peu plus ? Bah écoute, Paul à la régie, c'est toi qui vois. Est-ce qu'on lance maintenant ? Est-ce qu'on attend un petit peu ? Bah, on va pouvoir lancer. Alors on va lancer. Allez. On bon va chance, lancer. C'est bientôt. C'est bientôt lancé. Moi. Toujours, moi, je ne sais pas qui est moi, je pense que c'est Loïs, on verra bien. Mesdames et messieurs, on va commencer avec une première question. Première question, c'est pour toi, Axel, celle-là, forcément. Qui a dit le sort en est jeté ? Alea jacta es en latin, bien entendu. Est-ce que c'est Jules César, Vercingétorix, Auguste ou Attila ? Il me semble que je l'ai. Il me semble. Après, c'est vrai que bon, t'es full à cette époque-là. Toi, c'est ton univers. Full culture G, moi. D'ailleurs, la dernière fois, c'était de Karim Dantila, l'expression. Et ben voilà, de Karim Dantila. Sur vos moniteurs. Sur vos écrans LCD. Sur le net. Et c'était Jules César. Jules César. Et non, ce n'était pas Auguste. Il me semble que c'était Auguste. Moi, je pense. Et non, tu t'es trompé. Attends, mais en plus, je viens de te Vico qui commence le classement. Je vais vraiment dire, je suis full. Alors, Axel en sueur, parce que Ambre est directement sur le tableau des 5 premiers. On voit les pronos sont pas fiables. T'inquiète pas, Mathieu. On a le temps de remonter. On va pouvoir enchaîner. Avec un petit peu plus de physique cette fois-ci, quel physicien a donné son nom à l'unité de mesurant l'intensité du courant électrique ? Est-ce que c'est Heinrich Hertz, James Watt, Alessandro Volta ou André-Marie Ampère ? Celle-là, je l'ai trouvée un peu piège comme question, je vous laisse faire. Si vous avez quelques notions en règle générale, vous pouvez trouver très rapidement parce que le courant électrique n'a qu'une seule unité de mesure. Tout le monde sait ça. Écoute, moi j'ai fait une fac de physique, chimie, mécanique, mathématiques, t'inquiète pas que vrai. Ça si mais tu sais écoute, pas je répondre. Je pense que je vais avoir faux parce que j'en ai aucune idée. Oh mince. Et là, c'était André-Marie Ampère. Et non, c'était pas James Watt. Parce que James Watt, les watts, c'est la puissance. Oh là là, je suis chiant. Non, je suis désolé. Et les hertz, je suis désolé. Les hertz, c'est... comment est-ce qu'on appelle ça ?
C'est pas grave, on enchaîne tout de suite. Alors, quel était le vrai nom j'enchaîne. Il y a la coloc en plus qui joue avec nous. Quel était le vrai nom d'Elton John? Est-ce que c'était Jacob, Reginald, Aaron ou Lenny? Je pense que Ambre, t'as toutes tes chances de gagner parce que je suis largué. Parce que c'est vrai que d'habitude j'ai mis du jeu vidéo, j'ai mis du Overwatch, du WoW, etc. Et tout, je t'ai mis quand même bien en avant. Là, on va voir, t'es en sueur. Toujours la nappe de Ambre. Hein, qui... T'es en sueur. Ouais, c'est mon pied. Est-ce que c'est Jacob, Aaron, Lenny, Reginald? C'était Reginald. Je vois que alors, là, les questions sont un peu plus dures, j'ai l'impression. Ouais. Parce que les gens, quand même, répondent un peu plus à côté. Et là, je pars. On va faire un rapide tour du classement. On a Izzy et Lulu. Attention, Izzy et Lulu, de très gros compétiteurs qui seront dans ce top 5. On a Vico premier à 1762 points. Grou et Bob qui restent dans le classement, dans le top 3, bien entendu. 1651 points pour Grou et 1626 points pour Bob. On va pouvoir continuer, enchaîner avec un peu d'histoire. Au Moyen-Âge, comment appelait-on un village fortifié? Une tour, un château fort, un rempart ou un bastide? Les gars, ça y est, je suis le Perse. Là, j'ai retrouvé l'énergie de le Perse, là, c'est parti. Une tour, un château fort, un rempart ou une bastide? On doit vraiment pas être drôle, tu dois être tout seul, parce qu'on est vraiment à fond dedans. Quand on est trop concentré, t'es le seul à parler. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aucun souci. Des petites notions sur le Moyen-Âge, Ambre? C'était une bastide, voilà. Et ce n'était pas un rempart ni un château fort, c'était un village fortifié, c'est une bastide. On va pouvoir regarder le score. Est-ce que ça bouge? Axel remonte. Okay. Attention, Ambre. Alors, Axel, juste avant, qui était là en mode Ambre, je pense que c'est toi qui vas gagner. Là, je suis pas dedans. Non, mais c'est la modestie. Pour pas du tout. Il a 1700 points. Il n'est pas du tout dernier. On a la coloc. La coloc, je ne sais pas qui tu es, mais franchement, tu es bien placé. Encore une fois, on a Vico et Gros qui restent. Il me semble que je sais qui est la coloc. On va pouvoir continuer avec un petit peu de physique. Encore une fois, quelle est la planète la plus proche du Soleil? Alors, celle-là, j'espère que vous l'avez, c'est du SVT 6ème. Hein. Terre, Vénus, Mercure, Mars. Il y a eu du jugement dans la voix. Alors, si vous ne le savez pas. Terre, Vénus, Mercure ou Mars pour les planètes les plus proches du Soleil? Et ça te manque ta fac de physique chimie? Alors, je vais pas vous mentir que quand je l'ai fait, les gars, surtout qu'en plus je vous parle souvent de Mars, de tout ça, je me suis dit, Mercure, on y va. Et c'était Mercure, ce n'était pas la Terre. Je ne le savais pas. Ce n'était pas la Terre et ce n'est pas Mars. Mars est juste après nous, dans le système solaire. Non, il y a Vénus, pardon, excusez-moi, et après il y a Mars. On va pouvoir voir très rapidement. Grou, attention, Grou qui est sur une série de trois bonnes réponses d'affilée. Pour ceux qui sont nouveaux sur Kahoot, je vous le rappelle aussi, plus vous répondez rapidement, plus vous avez de chances d'avoir plus de points. On a toujours Lulu et Izzy qui sont dans le classement. Ça c'est ma petite fierté personnelle, hein. On les connaît très très bien. Force à vous les gars. Vico qui reste premier, hein, Vico qui bouge pas du Mais tout. Gros, et Grou et Bob. Oui, Grou on en parle pas assez. On enchaîne un petit peu avec de l'animation cette fois-ci. L'animation, quel studio a produit le film d'animation Monstres et compagnie? Marvel, Pixar, Sony ou DreamWorks? Quel studio a produit le film d'animation Monstres et compagnie? Marvel, Pixar, Sony ou DreamWorks? Avec une autre voix peut-être. Quel studio? Excusez-moi, c'est toujours de la roue libre, on est toujours sur de la roue libre. J'hésite entre deux, j'ai répondu... Chrono, vas-y, très rapidement. Ambre, t'as répondu? Oui. Chrono, Pixar, moi. Ouais. Est-ce que c'était Pixar? C'était Pixar, okay. Ce n'était pas DreamWorks. Ouais, bon, voilà, j'hésitais avec DreamWorks. Le petit piège, voilà, je voulais piéger les gens. J'avais juste. Très bien. Eh bien, bien joué. On va pouvoir encore voir rapidement Vico. Attention à Vico aussi qui est chaud. Hein. Vico, les gars, il bouge pas. Là, il passe devant Vico. On a juste Vico, à 4388 points, quoi. Ouais, c'est il c'est est quand pas même mal à 2000 points au-dessus de vous, j'ai l'impression. Oui. Ça fait mal, ça pique. Bien joué à toi, Vico. On va pouvoir continuer avec un petit peu de culture G. Quelle est l'altitude du Mont Blanc? Attention, 3908 mètres, 4696 mètres, 4150 mètres ou 4907 mètres. Ces données datent de hier. Carré, quoi. Vraiment, c'est hier, c'était à le truc, je vais pas dire. C'était à quoi tu voulais dire? C'était l'une des réponses. Ok. Donc 3908, et non, c'était 4696 mètres. I got it, bro. Il y a quand même des gens qui le savaient apparemment, ou des gens qui ont du gros pif et qui arrivent. Je pense Vico, il est devant. Vico, il est chaud. Vico doit être resté devant, à mon avis, parce que... Hop là, il a eu la bonne réponse. Axel qui remonte dans le classement, Axel 4ème place, ça se passe pour toi là. Hein. Ouais. Ambre, toi de ton côté, t'es quelle place? Donc on peut continuer. On va continuer, super. Tout à l'heure, j'ai peut-être parié sur moi au final. On va continuer avec un peu de culture G. Qu'est-ce que le pétrichor? Est-ce que c'est une façon de pétrir le pain pour obtenir une mie aérienne, ou est-ce que l'odeur dégagée après la pluie par le liquide huileux sécrété par les plantes et absorbé par les sols pendant les périodes sèches? Alors, j'ai pas mis tout ça. Mais voilà, je vous pose la question, est-ce que c'est du coup l'odeur dégagée par la pluie ou pas, ou une façon de pétrir? Et c'était l'odeur dégagée par la pluie. Évidemment. T'as bien répondu? Oui. Super. Axel? J'ai bien répondu. Vous le saviez ou pif?
Évidemment. Évidemment, c'est du pif. Je sors, il pleut, je suis là. Petrichor. Ça, c'est Petrichor. Ça, c'est Petrichor. Personne n'a répondu juste, visiblement. Dans le... Ah, si. Bah, si. Excusez-moi, qui, c'est moi qui comprends. C'est moi qui comprends juste le jeu, encore une fois. T'es pas mis à jour. Quoi. Axel, attention, Ambre. Axel, série de 3 bonnes réponses d'affilée. Tu vas faire quoi? Attends. On a de la provocation. Je suis vraiment la provocation. À fond là-dedans. Je me lève. Hein. Continue un petit peu avec, avec encore un petit peu. On va parler de nuages cette fois-ci. Quelle est la particularité du nuage appelé le cumulus congestus? Est-ce que c'est un petit cumulus? Il s'étend de manière horizontale. Est-ce que c'est l'étape intermédiaire entre le cumulus et le cumulonimbus? Ou est-ce qu'il n'est jamais porteur d'averse? Vraiment, ce quiz-là, je teste. Je suis curieux de voir où est-ce que tu trouves tes questions. Ouais, de ouf. Il me semble que c'est Kipo Quiz, non? Non, pas du tout. Kipo Quiz, c'est que du vrai ou faux. Oui. J'ai testé. Ok. Ah, donc t'es vraiment... Et voilà, c'était l'étape. J'ai vraiment l'impression de... Je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Tu l'as au pif? Oui. Mais j'ai vraiment l'impression d'être Jamie. Il est où mon camion? Axel qui rentre sur la 3ème place du podium. Okay. Zico, il bouge pas. Bob et Vico, ils sont toujours sur la télé. On a Elox qui remonte tant bien que mal la pente. La coloc qui reste néanmoins à 4427 points. Je te félicite, la coloc. Pas déconnant, bien joué la coloc. On va pouvoir continuer un petit peu cette fois-ci de SF, de science, de film. Sur quelle planète est né Anakin? Ah, okay. Est-ce que c'était Coruscant? Est-ce que c'était Hoth? Ou est-ce que c'était Naboo? Ou bien Tatooine? Mais comment on peut savoir ça? On en parlait en regardant le film. Oui, en regardant Star Wars, au final, un film un petit peu culte, quoi. Mais voilà, c'est pas important, oui, trilogie, bon, c'est quand même du box-office. Et bien, c'est Tatooine. Évidemment. On a vraiment de toutes les réponses depuis tout à l'heure. Hein. Franchement, ouais. Je sais pas si. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ou pas le jeu. Parce que c'est vrai que là, je teste un petit peu et donc je sais pas trop si. En tout cas, c'est cool qu'à chaque émission, il y ait des gens qui jouent avec nous. C'est ouais, clairement, voilà, vraiment... le but, c'est d'interagir et d'essayer de vous mesurer à accélérer. Challenge. Sur de la culture G et un petit peu de la culture cinématographique. C'est ça. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie du quiz sur le vrai ou faux. Juste avant, on regarde. Mais Vico, il est chaud. Hein. Vico, il a 3 bonnes réponses d'affilée. Il est premier depuis le début du jeu. Ah, non, mais vraiment. Bon, Axel, quand même, qui reste sur le podium, c'est pas déconnant. On a toujours Bob, la coloc et Lox. Ça bouge pas. Vrai ou faux, on va pouvoir commencer sur les vrais ou faux. 5 questions, vrai ou faux. Le lion est le seul félin à vivre en groupe. Vrai ou faux? Est-ce que le lion est le seul félin à vivre en groupe? J'ai répondu, mais on est d'accord. Ambre, je t'ai vu. Eh bien, c'était vrai. Ok. C'est vrai. Voilà. Et du coup, t'as répondu faux? J'ai répondu vrai. T'as répondu vrai, super. Bah voilà, on va faut pouvoir... toujours rester. Voilà, juste. Axel, attention. Oh, yeah. Alors, là, je pense que le duel va se passer entre Vico et Axel. On a quand même Axel, moi, 7027 points. Vico, 7801 points. Est-ce que finalement, c'est pas une projection? Tu te projettes un petit peu à sa place, tu te dis ouais, bon, Vico, tu gagnes pour moi. Ouais, voilà, je crois en Vico. Ok, et... carrément. Vico, franchement, tu joues pour Ambre là. C'est ça, donne je tout, prends donne tout, de... là, c'est pour toi, Vico. S'il te plaît. Après, il donne tout depuis le début, il ouais, bouge pas. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a pas besoin de ça pour, non, nous, ouais. pour nous écraser. Hein. On va pouvoir continuer un petit peu cette fois-ci de jeux vidéo. Mario a commencé sa carrière comme charpentier, vrai ou faux? Voilà, j'ai essayé d'axer un petit peu sur un peu tous les domaines. Hein. Vraiment, touche de tout. On est Jamie, on est plus Jamie, on est. Non, mais top, vraiment. Il y a des questions, on sait ce que c'est, des questions. Hein, c'est ça. Donc là, c'est vrai ou c'est faux, par exemple. Je viens de dire une phrase bateau, je m'en suis rendu compte. Ouais, mais c'est ah pas non, grave, une phrase bateau, c'est oh, pas grave. C'était et vrai. Là, c'était vrai, parce qu'au tout début, c'était dans Donkey Kong, et il était charpentier. C'est vrai. Okay. Et il n'était pas plombier. Ah. Voilà, désolé. Bah, petite question piège. Petite question piège, voilà. C'était comme les escaliers d'Harry Potter, mais un peu moins dur. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais posé la question de combien d'escaliers magiques il y avait dans Harry Potter. Et Axel s'est trompé. Et toi aussi, il me semble. Non, pas du tout, j'avais juste. Ok, bah, sympa de le On va voir rapidement le tableau des scores, on va enchaîner un petit peu sur la suite des questions. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge ça pas. Pas. En même temps, il y a eu 8 personnes qui ont eu faux, donc forcément, ouais. le tableau n'a pas beaucoup bougé. On continue un petit peu sur de la littérature. Ok. Dans le conte de Charles Perrault. La Belle au Bois dormant a 2 enfants avec le prince, vrai ou faux? Est-ce que vous avez une petite culture quand même attends, littéraire? Peut-être je vais dire une connerie, j'attends. Vous connaissez au moins La Belle au Bois dormant, le oui, conte oui. original de Charles Perrault C'est pas le... Eh ben c'était vrai, okay. Et c'est Aurora ouais. et Jour. Et j'adore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui okay. se trompent. Alors je sais pas si c'est cool d'adorer ça, mais... non, je pas. Non, mais dans le sens où justement les questions sont peut-être un peu trop dures, donc il faudrait que je vois. N'hésitez encore non, une fois niveau, pas à me le dire. Vico qui reste premier, Vico vraiment il vraiment, bouge pas, c'est le boss. Ouais. On a Bob qui est remonté deuxième, Axel attention à ta bien place, joué, tu vas te la faire voler. 7000, on a... Hey, Vico,
8680 ouais, points. Vraiment, hein, les gars. Nico, vas-y, je crois en toi. Non, mais ouais. Dis-toi que le deuxième, il a juste 1000 points de moins. Nico, tu roules sur tout le monde. Bah écoute, Vico, GG à toi. Je vais faire un truc plus dur la prochaine fois, juste pour toi. On va pouvoir continuer un petit peu sur de la nature. Ça va être marrant et mignon, je sais pas, on verra. Le bébé girafe commence sa vie en tombant de haut, vrai ou faux? Alors, ce n'est pas une blague, c'est une vraie question, si on peut croire que c'est une blague. Voilà, je me suis posé la question et... C'est vrai que tu t'es posé la question? Ouais, je me suis posé la question et c'était vrai. Et voilà, c'était vrai. Le bébé girafe tombe. Bon, c'est un peu triste, mais ne vous en faites pas. Ils sont toujours... L'espèce... J'ai eu faux. T'as mis faux? Mais je suis encore sur le podium, donc... Alors, on va voir rapidement. Je pense que ça Lulu pas. Qui remonte sur le classement. Attention, Lulu, quand même, 3 bonnes réponses d'affilée. Mais Vico, les gars. Vico, Ok, bon, c'est pas grave. C'était Aurore, pas Aurora. Pardon, excusez-moi, du coup, je me suis trompé. C'est Aurore et Jour, excusez-moi. Je pensais avoir la culture. Pas du tout. Alors que moi, j'ai fait les recherches et cette personne, pas du tout. Elle a la culture de base. Bah oui, Aurora, c'est le prénom de la Disney de princesse. C'est toujours mieux de parler français. C'est la princesse Disney. Merci pour ces précisions. N'hésitez pas, hein, si jamais je me trompe ou que les questions sont un peu trop dures, n'hésitez surtout pas à le dire. Bah, ouais, Maël, tu penses pas que la girafe, c'est en fonction si elle accouche debout ou... Là, bah, du coup, la girafe accouche debout. Et vu qu'elle est grande, il tombe. C'est une bonne remarque de la régie, vraiment. Ouais. Et du coup, le bébé girafe, enfin, le girafon, c'est vrai qu'on s'est pas trop attardé là-dessus, mais... Tombe de haut. Voilà, en fait, c'est un girafon. Je sais pas si c'est un girafon. Girafon. On va appeler ça un girafon. Si jamais Etsma, dis-nous, du coup. Si vous voilà. Mais... du coup, pour la dernière question, attention, ça va peut-être être décisif entre vous deux. Je ne pense pas. Je pense pas. Moi, je prends Vico, toujours. Je pense que tout le monde prend Vico, vraiment. Oui. Écoute, celle-là, elle est pour toi, Vico. Space War. Donc, un des premiers jeux vidéo à être développé. On reprend la question. Space War, est-ce que c'est l'un des jeux vidéo... Je n'arrive pas à lire. Space War, un des premiers jeux vidéo, a été développé dans le but de tester les stratégies militaires du Pentagone. Voilà. Excusez-moi pour ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, est-ce que Space War, en gros, a été créé dans le but de tester les stratégies militaires du Pentagone? Eh bien, c'est faux. Ok. Et voilà, c'est faux. C'était. J'ai mis vrai. Voilà, j'ai essayé de vous piéger. Ça a marché. Ça m'aurait pas étonné. Et bah, écoutez, on va voir tout de suite le podium du quiz. On va voir tout de suite Nico. Le podium. Bah, Axel, 3ème. Ouais. Axel, pour l'instant, je tiens quand même à remettre. On en parlera après. Fait du rien. D'accord. Vico, alors, on a Axel, voilà, Axel 3ème. Bob, 2ème avec 8457 points. Et Vico à 9612. Il s'est trompé sur la dernière. C'est pas grave. Finaliste, on a la coloc et Lulu. Bien joué à vous. Je sais pas ce que c'est exactement, mais bien joué à vous deux. Quel sub, je me suis fait atomiser, énorme le quiz. J'essaye de proposer un quiz facile, mais pas trop, parce que sinon après, tout le monde ajuste. N'hésitez vraiment pas à faire vos retours sur l'émission, tout ce qui carrément, est proposé. Carrément, n'hésitez pas à faire n'importe quel retour. En vrai, Vico, il a vraiment roulé ah, sur mais tout là, le monde, Vico. Mais lui, hein. Ouais. Vico, manifeste-toi, j'ai stressé MDR. Pardon. Nico qui dit j'ai stressé. Pas du tout. Mais pas du tout. J'ai stressé en fait. Je pensais vraiment que j'allais avoir tout vu, mais finalement j'ai pas réussi à la fin. Il me semble qu'il est resté premier de toute la partie. Hein. Il dit j'étais si mauvais, mais ne t'en fais pas. J'ai fait les recherches et c'est un girafon. Merci beaucoup Etma. C'est un girafon. C'est pas un girafon. Etma qui vraiment. Voilà pour les lives pour nous dire. Nico qui nous dit j'ai eu la voiture ou pas. Je suis désolé. Pas les moyens. Si tu veux, on t'offrira une voiture en Lego. C'est pas mal les voitures en Lego. Ouais, c'est top fou. Les Lego. Ouais. Vico qui a tout démoli carrément. En vrai, plus de GG dans le chat pour Vico. Mais Vico, si tu reviens et que je perds encore, je compte sur toi pour me représenter. Mais c'est bien que tu fasses la transition parce que Maël, j'aimerais bien que tu annonces le compteur de points du coup. Non mais attends, on n'est pas d'un truc avant. Pour faire, on a un GG. Oh, on a du GG dans le chat pour Vico. Franchement, Vico, bien joué à toi. C'est mérité. Vico 74, faudrait le retrouver. Faut le retrouver, les gars. Et franchement, Vico 74, je pense savoir qui tu es, honnêtement. Je pense même, je vais vous le dire directement, je pense que c'est mon coloc. Ok, on fait où t'habites. Il a pas vu les questions, d'accord. Et c'est impossible qu'il ait vu les questions parce que je les ai faites ici, donc pas du tout chez moi. Mais imagine, c'est pas lui. Bah, 74, je viens du 74. Ah, il s'appelle Victor, son pseudo c'est Vico. Okay. En règle générale, c'est plutôt ça. Attention, GG, il veut parler. Du GG. Alors, Maël, je viens d'avoir les résultats parce que je viens de faire un sondage sur le K-out et ce qu'ils en pensaient. Et regarde, je te laisse voir les résultats. On voit les résultats. Note du K-out 5, je ne comprends pas trop. Avis, donc c'est super. Tout le monde est recommandation, oui. Objectif d'apprentissage 0.
Ah, ça serait équilibre, ça serait équilibre. Ah, c'est super, j'avais même pas compris. Les avis faire sont ça. Positifs en général. Bah, les avis positifs, bah ouais. C'est cool. Bah, en tout cas, content que ça vous ait plu. Ça fait plaisir. Vous recommandez, c'est chouette. 4,5 au cas où, je sais pas ce que ça correspond. Je sais pas si c'est 5, sur 5. Ouais. Objectif d'apprentissage. Bon, écoutez, si vous voulez, la prochaine fois, on fait vraiment de l'apprentissage à balle. C'est une bonne réponse. Ouais, la dernière fois, quand même, je vous ai appris que le champagne, au début, c'était une boisson du diable. Hein. Donc, C'est vrai. Je m'en souviens. Voilà, donc quand même, on est sur de la culture G. Hein. Si jamais je vous fais croire que je sais tout ça, ne vous en faites pas, je fais juste des recherches. On n'est pas intelligent de base. Bah, oh, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Ouais, l'émission va toucher à merci. Sa fin. Hésitez encore une fois pas à nous. Hésitez, mais pas. Hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission, tout simplement. Ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, ce qui va pas. Voilà, tout simplement, nous faire des petits retours, même entre nous. Ambre va essayer de moins rigoler. On verra comment on va faire. Peut-être qu'elle dormira plus. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire cette émission avec vous. C'était vraiment chouette. Plaisir. Moi, j'ai pris partagé. Vous êtes sur le campus demain, bien sûr qu'on est sur le campus demain, on est sur le campus tous les jours. Venez nous voir, venez nous voir. Aussi, effectivement, très bien de le rappeler, si jamais vous voulez venir nous voir, pour ceux qui sont au courant, nous sommes dans une salle à IRTUP, Lyon, et venez nous voir tout simplement, voilà, si vous voulez discuter, voir un petit peu le setup, voir comment c'est fait, bah écoutez, venez nous voir. Carrément. Tout simplement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis surtout qu'on va participer prochainement à beaucoup d'événements aussi. Ouais. Ouais, beaucoup d'événements avec l'école, etc., etc. Donc du coup... Ambre, un petit message mignon pour toi. Ambre, tu me fais trop rire, change pas. Ambre, te laisse pas faire. Franchement... C'est de qui C'est de Lulu et de Perly Popette. Plein de bisous. Parce que je suis la seule fille et tous les jours ça va être très dur pour nous, du coup. Oui, non, mais parce qu'il y a une solidarité, là. Oui. Et il faut que je me défende. Je suis la seule fille de tout. Cette équipe, de toute cette équipe. De 4. Tout le staff. Et l'école, il n'y a qu'une fille, c'est moi, d'accord ? Vous imaginez pas, les gars. Il faut savoir que derrière le décor, genre là où on travaille, je prends cher tous les jours. Oh, ça va. Non. Honnêtement, ça va. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas cher. Maëlle, viens me carrer STP, t'inquiète pas. Je vais te faire un petit cours de culture G, ça va être sympa. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Ouais, merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, 20h. C'était le spot. Des bisous. Bisous tout le monde.